Et oui, vous l'avez vu, nouveau sponsor évidemment du Récap Open Classroom qui vous forme à différents métiers. Voilà, régalez-vous. Il y a rien qui va popper dans le chat pour vous expliquer tout ça. On en reparlera dans certains before du Récap évidemment. Mais ce sera en temps voulu pour le moment. Vous avez l'essentiel des infos. Sur ce, on va faire le tour un petit peu de ce plateau. Comment allez-vous, messieurs? Jamais. Ils sont là, ça fait absolument plaisir. Genius est avec nous aujourd'hui, comment ça va? Ça va, fichement bien, bonjour le chat, la famille. Je te retourne la question, comment va ton Brothers Gally? Mais arrêtez ça, j'ai... 7h du mat, les gars, vas-y, comment tu vas? Non, ça va, mais je suis trompé sur le Pokémon, ça va me poursuivre, ça. Brothers, ouais, oui, ça va te poursuivre un peu. Tu crois? J'ai pas envie de savoir. Bah, au lieu de dire Brothers Gally, il a dit Brothers Gally. Et j'ai dit Brothers Gally, je me suis gouré. Mais en vrai, je connaissais même pas. Mais c'est qui le vrai Pokémon? Tu t'es gouré ou t'as fait un jeu de mots? En plus, je suis plus Reality King. Non, et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je te retourne la question, comment va ton dos? Comment va? Mon dos va mieux, beaucoup mieux. Genre, il me reste. Non, même pas là, en vrai, j'ai plus mal. Non, il me reste quoi? 2% de douleur. Le mec, il va faire Mambo. Allez, Sarah, c'est fini. Non, en vrai, ouais, c'est sur le dos, là, à gauche de la colonne. J'étais en mode un petit vieux, et tu sais, dès que t'es comme ça et que tu veux te lever, t'es en mode. Ça te coupe la respiration. C'est comme ça en mode. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible le dos mec. Voilà, donc c'était assez chiant, ça a duré 48 heures, ça va mieux. D'accord. Et c'est merveilleux, tout le monde s'en branle. Sache que t'es ravi d'animer vendredi. Et sache qu'il l'a un peu beaucoup. Je l'ai dit. Sache que d'ailleurs on va te virer. J'étais content. J'ai même pas regardé l'émission. Bah, c'était ma première fois que j'anime le Récap depuis longtemps. T'es pas le seul en tout cas. Et ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est tout. Il a quand même. On m'a dit petite ambiance de matinale. De temps en temps, les gens. Ça applaudissait. Ah, il y a eu des applaudissements. Genre, il nous vient directement. Il était hier à Lyon pour table quoi. C'est non, c'était vendredi, je sais pas, les gens ont trouvé ça sympathique, c'était cool, mais bon, rien ne vaut Max Hildan, évidemment. Non. Oh là là, c'est revu ce week-end, évidemment. Tu en parleras, j'imagine, tout à l'heure. C'est dans le week-end. Voilà, c'est dans le week-end. Luty, comment ça va? Eh bien, écoute, très, très bien. Très, très bien. Du coup, moi, j'étais là vendredi, donc je peux te dire qu'il était très, très heureux d'être à ta place. D'ailleurs, merci d'être venu, parce que Luty, j'ai prévenu. Comme d'hab. Dans mon chat. Non, mais c'était un une heure scandale. Avant, c'est un scandale. C'est court. Il est 14h moins le quart, je cut à 14h. J'ai Max Hildan qui dit salut, tu fais le récap ce soir. Et moi je dis il faut demander à Mizu. Mizu qui dit dans le chat. Du coup, je me suis fait recruter dans le chat et finalement je suis venu. Et d'ailleurs, je suis très content parce qu'il a plus 15 minutes, c'est-à-dire le moment entre chez moi et le métro. Mais oui, c'est vrai, tu avais du coup, j'ai dû mettre ta chemise immonde. Enfin, sur moi en tout cas. Ah ouais, on habite en Suisse, c'est vrai. Tous les deux mis des chemises de Max Hildan parce qu'en fait, on est arrivé. Trempé de la tête comme aux pieds. Voilà, c'est bien d'avoir un petit peu du matos ici. Ah, mais tu sais à quoi servaient ces chemises? C'est en pour gros, les pubs, non pour des... C'est que moi, je suis toujours habillé, tu vois, t-shirt, jean. À la chouette, à la chouette. À la geek, si tu préfères. Toujours est-il que j'ai toujours quelques chemises dans l'armoire qui est là-bas parce que je me dis, si à un moment donné, pour X raisons, il y a un moment où il faut hoster un truc un petit peu sérieux, où il faut aller caster une compétition, faire un truc un peu ESWC tiers, je suis en mode. Je suis prêt. Ouais. Non, et puis surtout, en vrai, les chemises, c'est insupportable à trimballer, tu vois. Donc, en avoir 3 ou 4 ici. Exactement. Pour monsieur tout le monde, en mode, en fait, il faut hausse ce truc-là. Parce faut que j'en avais marre aussi de venir quand on me dise, tes chemises, elles sont pas repassées. Bah oui, mais évidemment, je repasse rien chez moi de ça, quoi tu me parles. Ça nous a bien dépanné. J'ai amené, genre, je sais quoi, il y a quoi, 8 chemises, un truc comme ça. J'ai tout mis au pressing, je suis venu, je fais personne n'y touche. Ah mais moi Max, autant te dire que moi s'il pleut, je peux pas mettre une de tes chemises. Ou alors je t'en baisse deux. Tu fais de la créativité. Avec les agrafes et tout. C'est tout ce qui compte. Bref, Luty va bien, Norman va bien, on est bon, Jumpé. Ça va très très bien, regarde, avec le retour. Nous on a un retour qui est déjà très foncé. Je cherchais pas. Exactement, je n'ai plus de barbe, je n'ai pas de cou. C'est un coup de soleil là ce que je vois? Ah oui, c'est un coup de soleil, un coup de je t'aime. Un suçon, faut une bouche comme ça. c'est un alien qui a été suçonné par une carpe. Le mec, c'est un malabar bigou, tu vois. C'est complètement. Ça. Non, ça me fait penser aux barrières blanches et rouges là que tu mets quand il y a un meurtre, par exemple. écoute, petit coup de soleil. Parce que c'est quand même particulier d'avoir un coup de soleil
là. Non, mais c'est pas juste, là. C'est juste qu'il fait le tour du t-shirt en fait. C'est-à-dire, c'est un t-shirt un peu un Marcel, ton truc. Un peu plus ample. J'avais un truc un peu plus ample, c'est pour ça. Mais j'ai vraiment cru que t'avais lui demandé comment t'as fait un coup de soleil. J'étais en mode, bah Max, il est resté au soleil en fait. C'est la forme qui m'interpelle. Je sors des fois. mais non, à part ça va bien. Effectivement, j'étais aussi là vendredi, j'étais là aussi jeudi. Non, j'étais pas là jeudi. Mais il va bientôt prendre son CDI, celui-ci. Oui. J'ai négocié une renégociation. Et on m'a dit, attends la rentrée. J'ai dit, il n'y a pas de rentrée. Mais ouais, et puis surtout ne te fais plus trop de limbago, quoi. Parce que c'est vendredi, s'il n'y avait pas eu Lutti et moi, je crois qu'il y avait deux personnes prévues dans le récap. Ah, c'est déconcentrant. Arrête d'être malade ou de chez moi. Vendredi, je vois, il y avait Pépé Nanix. Et c'est tout. Et je suis en mode. I have 2 hours. Léger. Là, c'est soit on met une rediff, mais bon. C'est pas fou, pas hein. Parce que je me sens un peu. C'est-à-dire, vous deux. Je me sens sale quand je vous valez moins bien qu'une rediff, c'est ça. C'est un peu un échec. Soit on appelle la terre entière, on trouve des solutions, on trouve des trucs. Et il se trouve, je vous dis la vérité, il y a la cuisine, après le récap. C'est vrai. Et du coup, il y avait les clients. Il y avait Seb, tu vois, qui était là faire l'émission. Marion de Tefal qu'on embrasse, qui était à mon bureau. Voilà, mais du coup, le client, il vient voir l'émission, on a envie de le régaler, on a envie de le mettre dans les meilleures circonstances. Que le but, c'est qu'on ait cette émission, la cuisine. Vous les impressionner. Toute année, si et on croise les doigts. Et que le sponsor continue. Tu vois, si ça marche, on kiffe avoir un gastronogique tous les vendredis soirs et qu'il nous fasse la cuisine et qu'on invite des gens et tout, c'est cool. Mais pour ça, il faut un sponsor. Et là, t'es en mode, si le moment où le client vient, il n'y a pas de récap, c'est chiant pour les stats. Ouais. Donc, on s'est sorti les doigts, ils sont tous venus, ils nous ont régalés. Merci, les gars, vous avez été royal. Quand même un peu chiant pour les stats, mais moins pire qu'une rediff. C'est moins pire qu'une rediff. On va pas se mentir, on va pas se mentir. Ted, comment ça va? Moi, je t'avouerai que j'ai bourlingué toute la nuit, ce soir, rebelote. Bourlingué? Oui, j'ai pas dormi. L'after de Table Quest a été très salé. Et ce soir, c'est la fête de la musique. Alors, autant te dire, ça va c'est être très ça. Salé. La péchoche. Attends, parce qu'on va un petit peu en parler peut-être tout à l'heure. Mais la fête de la musique, elle n'est pas dans des circonstances. Ça dépend. Ah, mais t'inquiète, si on a des bons contacts, on sait trouver des petites soirées. Des petites circonstances, quoi. D'accord. Ambiance tripot années 30, la lumière gigote. Mais on est en CAF, quoi, on est bien. D'accord. Je vois qu'il a des bonnes adresses. Il y a le cours Châtrier qui se transforme en salle de concert. Non, tu mais nous emmènes ça va, c'est pour, c'est pub, pour Fun Radio ou je sais plus quoi. Non, c'est... alors, je peux mytho, non. C'est pour Fun Radio. Encore une OBC. Non, c'est pour une radio. Je crois que c'est pour Nova, non. Europe. Mais t'as Roland Garros, toi, qui j'ai pour Nostalgie. T'as tous les mecs des années 80. Ah, c'est Nostalgie. C'est ça. On est assez vieux. Ah, Nostalgie, ça peut être cool. Nostalgie. Parce que désolé, mais en fait, Nostalgie, c'est pas désagréable. J'écoute Nostalgie maintenant. Non, mais lui, je ne reconnais pas. Attends, il critique Indochine et maintenant il me dit, Nostalgie, c'est pas mal. Cramez pas mes tweets, c'est pour tout à l'heure. Par contre, Max, fais pas genre, t'écoutais déjà Nostalgie à 22 ans, mec. C'est vrai. Non, en vrai, t'es dur. Non, c'est vrai. Plus jeune, j'ai écouté. Attends, Europe 2, ça existe encore, ça? Non, c'est Europe 1 maintenant. C'est Virgin maintenant. Il y a Virgin Radio, ouais. J'écoutais ça plutôt quand j'étais gosse. Maintenant. Mais attends, quand t'étais dans la voiture de tes parents, à 14 ou 15 ans, c'était déjà Nostalgie, non? Pardon? Dans la voiture de tes parents? Oui. Ils écoutaient pas Nostalgie? Parce que moi, c'était Nostalgie plus bloc. Non, pas trop. Ah ouais? Putain, moi, c'est pour ça que je connais bien toutes les chansons des années 80 et 70. C'est parce en fait, que... on mettait des CD, on écoutait pas la radio. Mais est-ce qu'ils ont choisissait. Il y avait le CD de Johnny, évidemment, dans la voiture aussi. Voilà. Mais ça promet des balades en vacances, les gars, ce que vous nous racontez, on est là, quoi. Nostalgie un peu dans la voiture. Quand tu as un long trajet, désolé, mais ça marche. Les mecs des Colémar avec mamie, on est là, on est bien. T'as pas tout dit? T'as pas de quoi si, comment ça? Comment ça? De son week-end, tu veux dire? Me montre pas du doigt. Ça merde. Objection. Merde. Comment ça, t'as pas tout dit? On a un futur césarisé. Mais non, mais attends. Mais qu'est-ce qu'il est fou, lui. Mais parce que je crois en lui. Tu mais on va en parler après, ma petite gueule. T'inquiète, j'ai une transition. Il est excellent. Je crois en lui. Je crois en lui. T'es un agent. C'est déjà le bordel, les amis. Tout va bien. On est qu'au début de cette émission. On en profite évidemment pour faire un petit coucou à Marie, qui est au PC. Oh, sujet, ça va, Marie. Bravo. Et qu'est-ce qu'ils écoutaient, les parents de Marie, dans la voiture? Alors justement, nous, c'était Michel Sardou, notamment. Aïe, 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 pas mal. La classique.
du Connemara, ouais, bien sûr. Par voilà. contre, on est bien content que les trucs de streaming existent aujourd'hui, parce que moi, j'avais un CD, et mon père, pendant 2 ans, je me suis tapé le même CD de ABBA tous les matins, tous les jours, pendant 2 ans. Hein. C'est bien, ABBA. Ça dépend combien de chansons sur l'album. J'avais Johnny, hein, donc à un moment donné. Mais c'est vrai que je crois que je préfère Johnny, moi je peux chanter dessus. Mais tu vois, les CD c'était chiant, fallait changer. Alors que maintenant t'appuies sur 2 boutons et c'est fait, tu vois. Donc il n'y aura plus cette maladie là que nous on a eu. Que nos oui, mais après il y a un problème aussi, c'est que des fois le téléphone va dans les mains de quelqu'un dont t'as pas du tout envie d'entendre la musique et il te pollue complètement la bagnole et c'est horrible. Ouais, mais là tu mets une règle assez simple en place, hein. C'est ma bagnole, c'est ma musique. Ferme-la, hop, fin du gueule. Ah ouais. Si les ricains. Fred, il est en mode ah ouais, t'es dur. Ouais, moi, je suis là. Vacances avec Maxilda annulée. Je prendrai ma voiture. Je te laisse une chance. Ouais, super. Mais au bout d'un moment, si ça me donne de l'urticaire, bon, je vais pas passer un mauvais moment pour si faire plaisir. Si tu me laisses mettre du Indochine, moi, ça me va. Tu vois, on est Marie, parti. C'est ta préférée de Sardou, c'est quoi? Les ricains. Les ricains n'étaient pas là. Non, bah, je pense qu'un classique, mais les lacs du Connemara, ça reste quand même. Ils sont partis au quart de tour. Et les mecs font ça à jeun, ils sont balèzes. Hein. Mais c'est ça qui est beau aussi. Il faut le répéter aux gens. Ah ouais. Ne buvez pas, il n'y a pas besoin. On peut être le France, le France, c'est la meilleure. C'est la meilleure, tellement puissant, le France. Un petit air. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. On aurait dû mettre une. Les amis, c'est le bordel. C'est le bordel. On va se reprendre et on va lancer cette émission. Allez, le week-end, jingle. Regardez ce que j'ai trouvé. Ils ont laissé ça sur le plateau. Du coup, j'ai un nouveau casque. C'est trop bien. Tiens, Chloé, attrape. Oh, bien joué. Elle était là en mode, donne-moi mon casque. Non, rends-le-moi. Tout va bien. On rend les choses. Il n'y a pas de voleur ici. On est au calme. Qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Petite introduction. J'ai rien branlé puisque j'avais mal au dos. Par contre... Ah bah si, qu'est-ce que tu branles quand t'as rien au dos? Tu fais rien ou tu mates des trucs ou il a profité de sa clim à 5000 boules. Il était bien. Sa clim à 5000 boules. C'est vrai quoi. Les joyeuses dans l'envent, tu vois. Il était comme ça. Elle permet de profiter. Non, j'ai lu Dr. Stone, le manga. J'apprécie beaucoup. C'est un manga scientifique. En fait, c'est un mec qui est hyper intelligent et puis il se retrouve transformé en pierre pendant 3000 ans. 3700 ans. C'est pas la merde des transformations. C'est pas mieux. Et quand il se réveille, du coup, bah, c'est, y a plus rien. La nature a repris ses droits et il est en slip tout seul dans la forêt et en mode bon. Eh ben, il faut que je réinvente toute la civilisation. Faut que je, il y a 2 millions d'années à refaire, quoi. Donc on est parti. Sauf que toute la connaissance scientifique, parce que c'est un génie le mec, évidemment. Toute sa connaissance scientifique, elle est dans sa tête. Et du coup, tout ce qui existait avant, il le refait, mais avec les moyens du bord. Et du coup, déjà, il y a une petite aventure, évidemment, c'est sympa. Mais en plus, dès qu'il fait un truc, il t'explique comment c'est fait, avec quels matériaux et tout, machin. C'est très, très bien. Mais franchement, Dr. Stone, c'est vraiment... Est-ce que le mec connaissait la technique du cerf? Ça, 3000 ans. Il y a une version hentai. Mais non, pas du tout. C'est édité chez qui, ça? Je sais pas si ça existe en animé. Je crois que ça existe en animé. Parce que pour le coup, je l'ai lu en manga. Le pitch est stylé. Le pitch est très, très cool. Et du coup, évidemment, il va pas être tout seul dans son aventure, puisque la première chose qu'il va inventer, c'est un sérum qui permet de réveiller les autres. Et du coup, il va sélectionner un petit peu qui réveille pour faire renaître la civilisation. Il y a 24 épisodes. Ça reste très, très cool. Il y a 24 épisodes, okay. En tout cas, qui ont été mis en série. Ouais, c'est une ou deux saisons. Sans doute encore, encore. C'est le début, quoi. En tout cas, c'est cool. Si vous n'avez pas découvert Dr. Stone, je vous laisse aller voir ça. Mais je suis qu'au tome 4. Hein. Je suis qu'un débutant pour le moment, mais je kiffe vraiment bien. Et puis sinon, je suis retombé dans Sea of Thieves. Je sais pas si vous en mise à jour. Tout le monde a déjà joué ici. Bien sûr. Il y a la mise à jour qui est demain. C'est la mise à jour avec Jack Sparrow. Évidemment, Jack Sparrow. Voilà, vous voyez regarder ici évidemment son ennemi emblématique. Et on va pouvoir vivre un petit peu ces aventures là. Donc ça va être particulièrement cool. Et du coup, bah, j'étais avec un pote, je fais viens, vas-y, on donne sa chance au jeu. On n'a pas joué depuis genre plus d'un an, quoi. On s'est dit vas-y, on va voir un petit peu ce qui est devenu le jeu. Et effectivement, le jeu a tellement changé, il y a tellement plus de trucs à faire. Beaucoup plus de contenu. Hein. Pour vous dire, moi, quand j'ai arrêté de jouer, il n'y avait pas les harpons, il n'y avait pas les différents boulets. Enfin, je suis parti, le jeu était très très basique. Mm-hmm. Et vraiment, il s'est enrichi, mais fois 1000, quoi. Et
putain, on a adoré, quoi. Vraiment, au bout de 10 minutes de jeu, on était déjà à fond dedans et quel kiff. Donc je pense que je vais y rejouer pas mal là, dans les jours à venir. Et hâte de découvrir du coup cette histoire de Jack Sparrow. Par contre, petit bémol, je trouve, je pense que quand tu démarres le jeu aujourd'hui, il y a sans doute un tuto qui te prend un peu par la main, qui te dit « Ah, là, faut faire ça, là, faut faire ça, faut faire ça » et qui t'explique un petit peu les bails. Le truc, c'est que quand t'as déjà joué pendant, je sais pas, je dois avoir plus de 50 heures sur le jeu, tu vois, mais au tout début du jeu, et puis que tu as arrêté, mais en fait, quand tu retournes dans le jeu, t'as pas le tuto. Ouais. Sauf que le jeu, il a changé. Il y a plein de nouveautés. Ah, et donc, t'es un peu laissé... Il y a tuto au début de Sea of Thieves. Il y a pas beaucoup de tutos. Il y a un petit tuto sur les utilisations des... Ah ouais? Maintenant, okay. C'est pour ça que je dis ça. Mais si moi j'ai créé... qui laisse penser que si j'ai créé mon compte, que j'ai joué 10 heures et que je relance, j'aurais rien. Voilà. C'est ça, et en fait, du coup, j'arrive. Ah ouais. Et là, il y a plein de nouveaux contenus, mais j'ai rien qui m'explique un peu comment ça va. Alors, ce que ça fait, si, quoi. En fait, tu peux aller voir tous les PNJ, et puis tu leur parles, et puis ils te racontent. Mais voilà le lore aussi, Max Hildan, naturel, alors que tu n'écoutes même pas le jeu qui te parle. Il n'a plus le temps. Et alors, du coup. En vrai, pour ceux qui ont le même problème que moi, et je pense que vous serez nombreux, parce qu'on est nombreux à avoir testé le jeu à sa sortie, à l'avoir peut-être un peu laissé, et à sans doute y retourner là, eh bien, allez sur le compte CFT France, sur YouTube, et ils ont sorti une vidéo qui dure presque 20 minutes, et en fait, t'as une voix en français, qui est plutôt bonne, en plus, c'est bien joué, bien doublé, et le mec t'explique ce qu'est devenu le jeu en 2021. Donc la vidéo, elle a 4 mois, je crois, un truc comme ça, un peu plus, et le mec t'explique tout. Et vraiment, bah, c'est passionnant parce qu'il te fait rattraper tout ce que tu as raté pendant un an. Et franchement, on peut faire plein de trucs hyper cool. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire, allez jouer au jeu, il est vraiment incroyable. Par contre, moi j'ai dit à mon stream, je vais peut-être y jouer demain, et on m'a dit, moi je serai vous, Sea of Thieves jour 1, avec les serveurs qu'on a en ce moment, j'irai peut-être pas. Parce qu'apparemment, ils ont pas mal de problèmes avec les serveurs online, beaucoup de ping, et ouais, bah, c'est ce qu'on m'a dit, hein, je sais pas si le chat validera. Nous, quand on joue avec Alpha, c'est vrai qu'on attend forcément une semaine parce qu'on a toujours des doutes avec les serveurs. Bah, c'est comme Warcraft en fait. Les premiers jours, t'as toujours des files d'attente de malades, ça bug de partout. Attends une bonne semaine, je pense. Ok. Pour être tranquille. Voilà, donc conseil, en tout cas, si ça bug demain, vous savez pourquoi. Demain, ça va être la folie. C'est un partenariat avec Disney, je pense qu'ils vont serrer la vis sur les serveurs, ils vont prendre des sessions, non? Ouais, on verra bien. On verra bien. On teste, ça marche pas, tant pis. Voilà, au moins vous aurez eu l'info. Et puis du coup, avec l'arrivée du coup de cette nouvelle histoire, la nouvelle saison, évidemment, les nouvelles récompenses, tout ça. Bref, Norman, qu'est-ce qu'il a foutu de son week-end? C'est moi. C'est moi. Question de ouf. C'est moi. Qu'est-ce que j'ai fait de ce week-end? Oh, déjà de week-end qui a commencé dès jeudi. Hein. Ah dès ouais jeudi, parce qu'il y a eu plein de choses. Jeudi. Je suis allé chez mon ami Xari. J'ai mon Xari parce que. Mais tu l'as montré hier, je vais pas montrer. J'ai montré Xari pour le coacher, une soirée extraordinaire. J'étais dans l'antre de Xari, j'étais ému de chez lui. C'est toi qui étais chez lui. Ouais, c'est moi qui étais chez lui. Voilà, donc on a streamé, on s'est régalé. Merci au chat de la famille. Après, on a fini par une petite session Mario Tennis. J'anticipe pour la suite. Est-ce que tu t'es pas fait éclater? Il m'expliquait, en fait, on jouait pas vraiment, il m'expliquait. C'est bien, t'as vu? En fait, j'ai découvert à quel point le jeu, mais c'était profond de fou. Mais de fou? Une dinguerie. Voilà, j'ai formé de manière éclair, comme j'ai pu, Xari, à Tekken 7. Voilà, donc on s'est régalé, je l'ai fait, on a joué une heure et demie. Est-ce qu'il pourrait éventuellement te prendre un round? Non. Non. Non, les données, Genius. Ouais. Franchement, il y a un truc quand même intéressant à faire. Est-ce qu'on te donne pas un bonus de points si tu te fais demain, battre à personne? Tu ne te fais jamais prendre un seul round. Vous me donnez des points en plus? Vous me donnez des points en plus? C'est... Non, mais là, il va te regarder. Non, mais c'est pas foutu. Des points pour le stream challenge, parce que ça déséquilibrerait le truc. Ah bah non, mais, alors. Mais peut-être un bonus en nature, je sais pas. Pourquoi tu l'aurais pas fait? Waouh, Max, il est très généreux, là. Il représente un récap. Il représente un récap. Il a le droit de représenter le récap qu'il souhaite. Ça peut être un truc. Pourquoi tu lui fais pas jouer à une main? Il a fait ça. Ouais, mais non, le but, non. Non, mais à une main. Mais il a vraiment le stream challenge, une main, sans c'est sans que le mec, quand il tombe sur son jeu, il se régale. Il te bat à une main, par contre. Hein. Ouais, oui, d'accord, bien sûr. Non, mais je vais pas jouer ma vie, mais je vais jouer sérieux pour gagner demain, bien sûr. Mais attends, comment tu peux nous péter à une main, toi? Mec, c'est incroyable. En fait, il l'a fait. Le jeu, il garde tout seul. C'est ça. Donc s'il touche à rien, garde. Non, mais t'as une garde neutre, mais elle est pas. Mais même, mec, il a fait un événement, je te jure, il a failli battre quelqu'un à une main, les yeux fermés. En jouant au son, c'est le seul dans match un autre qu'il a perdu. Pays. Il a enchaîné tout le monde, dont Benzaï qui joue un petit peu au jeu de combat, dont Karaté qui joue un petit peu au jeu de combat, à une main. Vraiment, il a pas perdu une seule fois. Ah, c'est chaud, c'est la galère. Mais il était comme ça, là, en train de jouer et tout. Et non, gros, je vous jure, il peut battre le plus faible à une main 100%. Tu perds pas
un round. Non, mais si tu perds, c'est mieux de ne pas perdre un round. Mais si tu perds un round, t'es une salope pour le coup. Non, mais c'est, ah oui, c'est... le mec carrément, les mots sont lâchés quoi. Non mais je veux dire, c'est comme si on jouait face à un peu Federer et qu'on n'avait jamais tenu une raquette de tennis. J'espère bien tu que tu peux gagner un point à Federer s'il met une faute, s'il la met en faute. Un point oui, mais un jeu non. Mais un jeu c'est 3 rounds, un jeu. Non, oui, mais non, non, mais non. Bien sûr, non, mais tu ne perds pas un round. Tu perds pas un round. C'est ça, c'est en gros un jeu, un match. Un point c'est un hit, tu vois. Mais un jeu c'est un round. Un match ça va être 5 combats qui eux-mêmes sont en BO5. C'est un Enfin, ça va être non. BO5 de BO5. C'est 3 matchs de 3 rounds. Rencontre. 3 matchs de 3 rounds. C'est un BO3 de 3 rounds. C'est un BO3 de demain, ce sera 3 matchs de 3 rounds. Ça va être super long. Non, j'ai pas dit. C'est 3 matchs. Non, c'est très... Tekken, vraiment, lui avec son perso, il arrive et... Pfff, KO. Un mec normal, oui, mais un... Non, mais tu peux prendre 2-0, 2-0, ou alors il peut y avoir 2-1, 2-1. Donc ça fait un maximum de 6 rounds. 6 rounds, ça va vite dans Tekken. Les rounds durent maximum 80 secondes. Chez nous, on est des frères. On est nuls, nous. De tout, dans les autres jeux, aide-moi un peu, tu vois. Tu fais, t'es gentil. Bien sûr, t'es gentil. Et moi, Worms, je serais gentil avec toi. Il y a moins que je finisse deuxième si t'as un rôle. Tu sais, le mec qui va trop loin dans le truc. Non, voilà, par contre, ce que t'as oublié, c'est que même si tu le laisses gagner, il perdra contre toi. Donc il n'arrive pas plus de fois, en fait. Ouais, toujours, en plus, j'ai à peu près joué. Donc bref, on a joué contre Xari, j'étais content d'être chez lui, on s'est régalé. Il m'a même invité à dîner. Oh, c'est un cousin. C'est un appris japonais, c'est fou. Japonais, il m'a invité à dîner. On a commandé à le lendemain, je le monte là, c'est mon premier Twitch, je le mets, j'ai streamé de mon côté. Oh, c'est pour remercier les gens, c'est pas pour la promo. Je sais que t'aimes, je sais que Maxidane. C'est pas pour la promo. Voilà, c'est mon premier, je l'ai mis. Je remercie les gens parce que j'ai fait un stream Tekken et j'ai fait un stream de fou. Je suis tombé contre les pires horreurs de la terre, de perso, de machin. Et pourquoi je montre ça? Parce qu'en plus, je suis tombé contre un joueur légendaire. Ouais, européen, on s'est fait des matchs de fou jusqu'à 1h30 du mat. Et pourquoi j'en remercie, voilà, parce que les gens étaient là et les gens me soutiennent beaucoup quand je joue à Tekken. Même ceux qui n'aiment pas Tekken, en fait, on en parle avec Junpei, les gens sont là parce que c'est chill, c'est impressionnant, c'est fun, c'est beau et ça parle à tout le monde. Donc voilà, donc je me suis régalé, j'ai fait un stream, voilà, c'était pour. Attends, là, t'es en train de me dire que t'es japonais? De quoi? Là, c'est japonais ce match ou pas? Je sais pas si c'est japonais ce match. Est-ce qu'il va juste laver la gueule ou est-ce que tu vas réussir à revenir? Peut-être, on va voir. Attention, je combat. Alors, peut-être. Hey. Peut-être. Oh. Ah si, peut-être. Hey. Deuxième. Hey. C'est déjà... Mais bon, j'en ai chié. Hein. J'en ai chié. Notamment avant, je tombe contre un Eddy. En plus, comme je suis en stream et que je suis quelqu'un de. Je suis un faux calme. J'essaie de d'intérioriser, tu vois. Ouais. En fait, t'as juste envie de balancer la manette dans l'écran. J'ai longtemps travaillé sur ma manette, tu vois. Et ce jeu me rend dingo. Et bon, notamment à LoL, t'as vu, là, on a joué à LoL. Du coup, deuxième vidéo pour savoir ce que j'ai fait aussi. Après, ouais. J'ai fait un stream incroyable avec qui? Avec l'ami Maxidane, on a joué à League of Legends. Il t'a fait jouer à League of Legends? Du coup, là, j'ai fait, du coup... Ah bon, en fait, là, c'est joué à TK, il m'a dit... il m'a dit, ok, faut que j'arrête, je vais lancer un stream, et là, je vais sur LoL. Et là, c'est la fin, je joue avec toi. Je fais l'insec à la manette. C'est son entraînement manette, il fait ça à la manette. Du coup, je me fais ça... Respectez un peu Genius. Ça, c'était un décrassage, Du coup, on a joué à LoL avec Maxidane et les viewers de Maxidane. Et les viewers, on s'est régalés. Et... Oui, par contre, oui, on me dit c'est la. On a l'impression d'être chez Sky. C'est la Sky Arcade, mais je comprenais pas ce que c'était. Donc, bon, bref. Du coup, là, c'était pour dire, je me suis régalé et j'ai découvert, comme dit Maxidane, à quel point ce jeu n'est pas un jeu de kill, mais un jeu de farm. Et du coup, ça. Mais parce qu'en fait, donc on joue à League of Legends, voilà, bon, je joue support, on s'en fout, machin. Et je pensais qu'il avait quand même une bonne base. Enfin, moi, je. C'est quand même un fast learner. Et tu vois, Norman qui me dit, ça fait plusieurs semaines qu'il dit. Je me suis mis à League of Legends, je kiffe le jeu, j'y joue à la manette et tout. Je me suis dit, ok, le mec joue en classé, peut-être il est Silver 2, tu vois, ça va monter. Je suis 26, tu vois. T'es pas des 30 encore. Mais c'est même pas qu'il en est là, c'est que il part top lane, il prend pas de TP, il part jungler, il prend pas de smite, et je suis en mode, ah ouais, donc, ok, donc vraiment. Et ça, c'est. Il y a ça, du boulot, il y a du boulot. Non, mais c'est marrant, c'est comme quoi, tu peux avoir des niveaux 26 qui ont tryhard avec des gens qui ont découvert le jeu, et t'as des gens qui jouent seul tout dans leur coin, avec une manette licite, ça n'a aucun sens, tu vois. Ou qui demande rien à personne, qui a joué Garen et licite dans sa vie, et qui fait, putain, j'adore League of Legends, niveau 26, il a passé 20 heures du jeu, personne lui a expliqué les timings de blue buff, les machins, et du coup, j'ai essayé de lui expliquer des bases, mais c'est pareil, je suis pas un professionnel de League of Legends, juste, je connais vite fait la théorie de base, tu vois. Donc je commence à lui donner un petit peu les quelques trucs. Et je vois que des fois, tu sais, je lui dis des trucs, puis il répond pas. À un moment, gros, il y a un fight au mid, et genre, on pré-shot le truc aussi. Là, ça va fight. Et donc, on lui dit, gros, TP mid, là. On fight, se fait enculer, et lui, il est là, en haut,
Il est en train de taper un... Il est en train d'essayer de tuer un mec. Moi, je suis un mec. Et je fais... Tu joues quoi au top hein? Du coup, Norman, le TP, là, c'est... Il fait... Ah ouais, excuse-moi. Ouais. Je mais c'est fini c'est du coup. C'est chiant parce que là on est en fight. Fait, ouais. Ah, tu veux que je vienne je fais, non, ça. Je voulais que tu viennes, je voulais. C'est trop tard. En fait, faut bien mettre. Tu sais, c'est comme à Overwatch avant. Bon, Overwatch, j'avais bien joué, j'avais joué correctement. C'est juste que les jeux d'équipe, faut bien se rendre compte que moi, j'en ai rien à foutre. Non, mais genre, en fait, j'en ai rien à foutre vraiment. Je veux. Toi, tu veux briller. Je veux briller. Tu veux briller. Mais sauf que là, c'est pas ça. Je t'écoute jouer. Je vois tester des trucs et tout. Et alors, déjà, je me rends compte d'un premier truc, c'est qu'effectivement, ça s'en bat les couilles des autres. La minima n'existe pas. Il a mis sa cam dessus, de toute façon. Voilà, il a mis sa cam dessus. Non, j'y vais entre les deux. Et surtout, en fait, il passe son temps à vouloir faire des 1v1. C'est-à-dire, dès qu'il voit un mec, il est en mode. Ah ouais, viens, oh là là. Et en fait, LOL, c'est pas ça. C'est LOL, c'est, tu vois, le creep, tu vas le taper. Et quand tu crois que tu vas pouvoir taper le mec en face, non. Tu vas taper le creep encore, d'accord? Parce que t'as pas assez de gold. Ouais. Tu crois que t'as assez, mais t'as pas oui, assez. Oui, mais la désillusion de ce jeu, c'est que quand j'ai commencé, j'ai fait plein de games où je fais. Tu faisais n'importe quoi, ouais. Où je fais plein de kills, tu vois. Là, ah bah ça y est. Tu joues contre des enfants, mais non, tu voilà, c'est ça. C'est parce que tu jouais contre Timothée, 4 ans, qui jouait sans clavier. Et niveau 26, je me dis, c'est déjà chaud. Alors putain, j'imagine même pas après. Mais bon, j'apprends le jeu, j'y joue pas. Tu imagines si toi, tu faisais 9 kills à la manette, comment les gens, ils se régalent dans le jeu. Quand tu recommences, mais. Donc voilà, mais on a quand même réussi à perdre à 5 contre 3. Avec un mec dans notre équipe qui avait 30 kills. Oh putain, on a perdu. Mais comment vous avez fait pour ça? Moi j'avais 8 kills, hein. Même 9 kills, tu vois, je fraguais. Et combien, ouais, combien de morts? 14. Mais t'as perdu. Pas comme ça, parce que je fais attention. En plus, bah, tu fais attention, t'es le seul à rester vivant quand tout le monde fight. Ah non, c'est vrai. En plus, je suis un vrai genre de joueur. C'est-à-dire que des fois, j'y vais pas. Même souvent. À un moment, il y a un fight, et vraiment, c'est genre, je sais pas, on est 4v2, quoi. Et j'essaie de gueuler dans le micro en mode Let's go, on y va, on les met. Il y en a un qui recule. Et je suis en mode, bah non, reviens. Et puis du coup, ça commence à partir en autre boudin. Du coup, il y en a un autre qui part. Puis un autre. Les gars, ça va pas le faire. Mais décide, c'est... Mais Max, est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership aussi? On est d'accord. Est-ce que t'as pas. Il faut le mettre dedans. Non, mais tu sais, il passe. Tu vois, gros, t'es full life. Genre, mets un spell, mets un truc. Tu vois, il est en mode. Ouais, mais Lissine, c'est compliqué de savoir. Parce que tu vois, quand j'avais Garen au début, quand t'es full à la fin Garen, t'y vas, hop, tourbillon, tu sais ce que quoi faire. Lissine, je sais pas encore, t'étais mais là. C'est super dur, Lissine. En fait, Lissine, c'est pas un personnage à engage. En c'est tout ça. Cas, c'est un personnage à engage quand t'es très haut niveau. Sinon, c'est un personnage où il y a un teamfight et tu réussis un petit peu comme un Kha'Zix à rentrer au bon endroit au bon moment. Tu mets noir, tu mets une téléporte, un truc, mais faut savoir tout gérer. Non, mais c'est super dur. Il y a 5 personnes qui sont en face. Je jouais Léonard. Bah ouais, en plus, t'inquiète, j'étais dans l'ingage. Bah c'est ça, lui, il juste en fait, c'est juste que j'ai découvert que le jeu auquel veut jouer Genius, c'est pas League of Legends. Ouais, il veut jouer à Battle Royale. Il veut jouer à Battle Royale, mais il le sait pas encore. Lucky. C'est pas grave, mec. Non, mais je vais apprendre le jeu. J'ai dit que j'apprendrais. Ça va être dur. D'ailleurs, il y a un mec qui s'est proposé de te coacher dessus. Le mec qui avait 30 kills. Et j'ai dit oui. Apparemment, le game master, il fait je peux l'aider. Aide-le. Ouais. Il a besoin. S'il te plaît. Non, c'est plus de la connaissance globale de la macro. Toi, en fait, tu aimes bien le gameplay de jouer ton perso en mode jeu de fight. Moi, je veux jouer de fight. Au moins, l'avantage, c'est que si tu apprends ça, derrière, quand tu regarderas des games de LoL, tu comprendras un petit peu ce que les gars disent. Et LoL, ça reste quand même intéressant à regarder. Et dis-toi que finalement, ta manière de faire est intéressante parce que des mecs qui connaissent la théorie mais qui n'ont pas du tout la technique, genre moi, il y en a plein. C'est blindé, tu vois. Bah, des mecs qui regardent les LCS et qui sont en mode c'est comme ça qu'il faut jouer, d'accord. Ouais. Et une fois qu'ils ont le clavier sur leur main, ils puent la merde. Ça, je suis d'accord, mais je pense qu'il y en a plein parmi nous. Mais parmi les gens qui jouent à LoL, il y a plus de gens comme lui. Tu penses? Et qui ne regardent même pas encore de l'e-sport, bah, il y a plus de gens. Même quand l'e-sport fait 300K vues avec Kameto, en parallèle, je te spoil, il y a 400 000 Français qui sont en train de jouer à LoL et qui n'ont aucune idée que ça existe. C'est vrai. Donc, en fait, il y a plus de gens encore comme ça. Ils n'ont jamais lancé une seule game classée. Hein, c'est ça. Et finalement, il y a plein de gens qui ont testé le jeu, qui jouent au jeu. Et nous, on a l'impression que c'est la base des gens qui connaissent. Mais en fait, Genius, c'est la base. C'est juste que personne ne le sait chez nous. Moi, la base, c'est la base. Non, mais t'es la bonne base. Hein. Oui, c'est pas négatif. Non, je sais. Mais moi, le boba, à la base, c'est pas un truc. Moi, c'est FPS, c'est Versus. C'est sport et voilà. Mais ce qui est bien, c'est que tu sors de ta zone de confort. Exactement. Ça, c'est beau. Mais j'espère te voir un jour dire ça y est, j'ai le niveau, j'ai accès au game classé, j'y vais. Et chaque game classé où tu vas gagner, gros, je veux voir un truc. C'est ça le but. Ah, les gens m'encouragent, mais ils sont gentils. Ça va détruire ta vie aussi, les game classés, hein, faut le savoir. Contre, gaffe, hein, parce que si t'es pas calme, il y a un écran qui passe par jour. Tu te rappelles le travail sur lundi toi-même. Lundi va arriver. Ouais, mais c'est un jeu d'équipe. Donc si tu joues pas à 5, je suis prêt. À moins que tu sois très fort comme Sky. Tu vas tomber sur des max toutes les 5 minutes. Mais qu'est-ce que tu fous? Oh top, putain de merde, les gravions.
Surtout ce qui est chiant avec LoL quand t'es nul, c'est que, enfin, quand tu vois que les gens sont nuls, c'est que tout le monde est sur le même plan de vue, tu vois. C'est pas un FPS où tu vois pas ce que fait la Ana ou le Zenyatta dans ta game d'Overwatch. Genre quand le mec il fait n'importe quoi, tu vois qu'il fait n'importe quoi. Quand le mec fait demi-tour alors que tu dois y aller, tu vois. Oui, mais j'ai pas de pression parce que c'est pas mon jeu. Tu vois, je pars de zéro, mais j'ai envie d'apprendre. Ouais, je parle pas de pression. Je parle d'énervement parce que le chat. Ou alors tu mutes. Ah oui. Tu commences ta game, tu fais mute. Ah bah non, je fais ça pour que le chat du coup assiste à ce. Le chat in game, c'est lui qui va te rendre fou. Des fois il m'insulte et je réponds, je dis thank you, je dis merci ou non, j'ai ok. Yes sir. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que c'est un jeu d'équipe, mais si tu mutes le bordel, ce n'est plus un jeu d'équipe. Tu veux pas tout seul sur ta lane. Tu joues avec les ping. Bah oui, non bah super. Le petit ping. Il y a un moment où t'es bon, tu montes. Le problème c'est qu'on est vraiment pas bon. Du coup tu me dis ça, c'est un délire que je me fais parce que toi, depuis que je fais la manette sur PC, j'ai tout fait, mais j'ai fait tout ce que je voulais faire. Je suis allé sur Quake, personne n'y croyait, je l'ai fait. Je suis allé sur Counter-Strike, j'ai assez joué à Counter-Strike pour réussir à prendre le jeu, machin, même. J'ai pas fait les tournois et tout, je l'ai fait. J'ai fait du StarCraft au début, j'ai fait du Ozu, j'ai tout fait. LOL, c'est mon dernier objectif. Je me dis, si je fais la manette et que je sais jouer. Oh, je pense qu'on peut te trouver. Non, mais c'est des jeux que je connais. Chiant, plus que non, mais des jeux que je connais. Mais que en tout cas, si t'y arrives, mec, beau gosse. Hein, les gens sont impressionnés. Écoute, par tout. On verra. Voilà, non, mais surtout, j'ai tellement hâte de refaire un jeu à l'émission e-sport où quand on dira League of Legends, il n'y aura pas l'autre qui fait eh ben je m'endors. Tu vois, c'est vraiment ça. Quand on faisait des émissions sur l'e-sport, dès qu'ils disaient ah, ça parle de LOL aujourd'hui, j'aurais pas dû venir. J'arrête. Frère, ça va. Quoi. Vous parlez beaucoup de LOL. Bah oui, il y a beaucoup de trucs à dire sur LOL. Jeu numéro 1. C'est ça, omniprésent. Voilà, je lève les mains. Évidemment. Excellent. C'est tout. Choupé. La transition. Tout le monde parle. Jumpe. Il a joué à Tekken. Déjà, j'ai joué un petit peu à Tekken, c'est vrai, mais j'ai surtout récupéré ma maman à la gare vendredi soir après avoir. Déposé à la gare. Hey. Et du coup, on a fait un. Tellement petit... de vannes qui me viennent. Oui, évidemment, mais on va rien. On est entre voilà. nous. T'as pas les mamans. On s'est pas croisés sur tout. T'es arrivé à l'heure ou pas? Je suis arrivé à l'heure, ouais. Je suis arrivé à l'heure et du coup, on a passé un week-end très sympa et on a visité un petit peu Paris, d'où les coups de soleil et on a fait Paris, les croisières de Paris. mais c'était bien. En vrai, ça m'a ressourcé aussi parce que moi, ça faisait quasiment un an que je l'avais pas vu et du coup, c'était très plaisant. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a regardé mes Paris. Ouais, ça va. Bah alors pas. Elle connaissait déjà. Comme alors un petit peu, mais enfin c'est à dire qu'elle était déjà allée 2-3 fois il y a longtemps, mais après enfin à part si t'es parisien, tu ne peux pas aimer vivre à Paris parce que il y a la circulation et tout. Enfin c'est un enfer. Après sinon parce que t'as pris la voiture. Bah oui, bah bien sûr. Au début. Obligé. Et est-ce que tu y as fait ton émission là Jumper dehors. Non, celle-là, je l'ai garde. Tu n'as pas fait les petites boîtes T'avais pris un stylo ce coup-ci Je l'ai garde pour toi, celle-là. Quel enfer Mais non, on a fait quelques petits trucs, quelques petites attractions, genre Jardin du Luxembourg et tout. C'était très bien. On a regardé aussi le match, puisque personne n'a parlé. On a regardé France-Hongrie samedi. Waouh. C'est vrai que j'ai regardé ça. On va parler de tabellé tout à l'heure. Oui, on en reparlera peut-être un peu plus en détail. Après, je ne suis pas expert, mais c'est vrai que c'était un peu rompiche. Ensuite, on a... Bah, ah oui, dimanche soir, on commande à manger et tout pour la soirée. Oh là. Et genre, je récupère mes pizzas devant la résidence chez moi et je re-rentre et on commence à manger. Et d'un coup, je vois un mec à la fenêtre qui ressemble au chauffeur Uber, tu vois, et qui me regarde par-dessus le portail, un mec très grand et qui me dit, comme ça, tu vois, je suis, mais moi, j'ai peut-être oublié un truc, tu vois. Et je ressors et tout, il me dit, vous pouvez approcher? Je suis en mode, oui. Du coup, j'approche et il me dit... Ok, alors en fait, on est la police là. On a besoin d'accéder à l'appartement de monsieur X. Moi, bon, je vais pas le nommer, évidemment. Est-ce que vous savez où il habite? Je suis en mode putain, oui. Je crois que je sais. Et du coup, il me dit ouais, parce que normalement, c'est dans le... Vous savez comment accéder à ce premier au bâtiment là? Je suis en mode c'est pas le bâtiment là. Il n'y a pas de premier à ce bâtiment là et tout. Donc, je lui explique comment ça fonctionne chez moi. Et du coup, ils me disent « Ok, on va y aller et tout ». Je ne sais pas combien ils étaient parce que, tu sais, t'as déjà vu chez moi, mon portail, il y a des lamelles de bois. Et du coup, je voyais juste la tête du mec qui dépassait. Mais derrière, je ne savais pas combien il y en avait. Et du coup, il dit « Ok, on va y aller, restez cloîtrés chez vous ». Et je suis en mode « Quoi? Mais what the fuck ?» Ouais, vraiment. Alors que c'est dans la résidence, on est 7 ou 8, hein, maximum. Donc voilà. Du coup, après, on regardait un train pour Busan. Et là, je sais que ça se... Avec les zombies, ma pizza et tout, la porte fermée. Je suis en mode « Ok, bon, c'est un coup de feu dans le... c'est dans la série ou c'est pas... Et du coup, on m'a fait une remarque intéressante sur Twitter. Est-ce que c'était au Brésil? Non, c'était bien chez nous, c'était bien ici.
Et au final, bah, on n'a pas plus d'informations que ça. C'est-à-dire qu'on a discuté un petit peu vite fait donc avec le flic pour lui donner les infos et tout. Et derrière, je sais pas, tu vois, il n'y a pas eu de cri ou de coup de feu. Tu lui donnes un peu des infos comme ça et vous avez fini les collabos. T'imagines le mec, il est là, il fait il est là et à la fin, il fait alors, vous l'avez bien baisé. Mais non, parce que mais, okay. ça va, mais. Avec la vie pizza, alors, avec la vie pizza. La politesse. Non. Oh, s'il te plaît, merde. T'en mets pas, t'en mets pas. Non, mais oui. Mais je les aurais bien invités pour savoir comment. Mais, toi, mais, déjà, le pourquoi du comment. Mais ça, pourquoi mais, ouais. Mais moi, les flics viennent chez moi, je leur dis, je sais pas, moi, où il habite. Et basta, ils ferment la porte. Non, non, mais. Il fait ses passes. Cette personne, ce qu'il a fait, c'est sûr, le mec est dangereux. Déjà, cette personne est très, très bizarre. C'est-à-dire qu'un jour. J'attendais un Uber. Ça y est, on commence à avoir la. Ah, il va balancer le nom d'un duel. Il sort des larmes. Un jour, j'attendais un Uber devant chez moi il y a longtemps. Et genre, donc devant la résidence. Et genre, il sort de la résidence et il me regarde et il attend comme ça, tu vois. Et il me regarde et il me fixe. Et moi, je suis de l'autre côté du trottoir. Et je commence à dire, mais qu'est-ce qu'il me veut, tu vois. Et en plus, on avait les masques et tout. Et du coup, je sais pas, il continue de me fixer. Du coup, je traverse et je lui dis, il y a un problème. Et il me dit, mais non, mais. Oh, Non, mais voilà, il y a un problème. Parce que j'habite là, tu vois. Et je pense qu'il savait pas. Il me dit, mais franchement, il ressemblait un peu à ça, le mec. Et il me dit, vous avez pas les clés de chez vous? Je fais, si, je sors de chez moi, là. Il me fait, non, mais si vous voulez, je peux vous ouvrir. Et je suis en mode, mais. Là, en fait, je m'en vais. Et du coup, il me dit OK. Et il continue de parler. Et il parle. Et je comprenais pas avec le masque. En plus, il y avait la route et tout. Et du coup, je dis OK, bah merci. Et genre, je repars de l'autre côté pour attendre le Uber. Et genre, il me fixait comme ça, vraiment. Il me disait waouh. Et il me montrait la clé. Et je dis OK, le mec est chelou. Non, mais c'est chiant, j'ai un double de chez vous. Alors, et du coup, j'en ai parlé plus tard au propriétaire. Il m'a dit ah mais oui, c'est ce mec-là, il est bizarre, lui parlait pas trop et tout. Il a des problèmes de drogue ou d'alcool ou il y a un truc comme ça. Et du coup, je me dis ok. C'est pour ça que là, le mec me demandait. Je dis eh oui, je le connais ce mec-là. Je sais même où il habite. Et donc voilà. Et comme j'ai dit, j'ai pas le fin mot de l'histoire. Et du coup, je t'avoue que le soir, il y avait ma mère, ma meuf et moi. Tu vois, moi, j'avais fermé la clé. C'était le soir avec ta mère en plus. Oui. Tout ira bien, mais au fond, je suis en mode on ferme les fenêtres quand même. Mais voilà. Quoi, elle arrivait d'où ta mère? Pardon? Elle arrivait d'où? Ma mère, elle habite dans le sud de la Vendée. Elle gratte déjà les adresses. En Provence. Ah non, mais c'est pour savoir. Travail d'abord. En Provence. C'est un petit village. Non, c'est pour savoir si elle arrive d'un quartier chaud pour arriver chez toi et non, au milieu non, de fusillade. C'est un peu compliqué, quoi. Non, okay. À l'Orgue en Provence. À l'Orgue en Provence, il n'y a pas d'embrouille. C'est non, s'il y a 2000 habitants, c'est déjà bien, donc il n'y a pas d'embrouille. C'est le bout du monde. Mais donc voilà, pas de fin mot de l'histoire, mais c'était mon week-end. On a regardé, du coup, comme j'ai dit, à la fin, un train pour Busan. C'était pas mal, franchement. Les Zombards. Le 2 est à chier. Ininsula. Ah, il y a un 2. D'accord. C'est une purge. J'ai regardé sur Amazon Prime, mais en tout cas, les Zombards. Même réalisateur ? Alors, non, pas mal. Quoique je te dirais peut-être une connerie. Je vais pas me prononcer. Ouais, je vais pas me prononcer. Le 2, c'est nimp. Hein. Mais c'est simple. Le 2, c'est. Il y a de l'argent dans la où il y a les zombies. Voilà. Ouais. Viens, on va le chercher. Ok. Ah oui, bah c'est. Ils font Fast and Furious. Army of the Dead. Il y a des enfants de 8 ans qui sont au milieu de tous les zombies. Ils sont là depuis 6 mois, les mecs, en train de faire des goodies avec des voitures télécommandes et tout. Tu ne sais pas ce qui se passe en Péninsula et pourquoi ils y vont. Mais attends, mais ça me fait penser au pitch Netflix de. Oui, Army of the Dead. Mais le 1 est incroyable. De Army of the Dead, ouais, c'est un peu ça. Mais le 1 était bien. Les zombies bougent vraiment bien, je trouve. Ça joue super bien et c'était quand même. Assez réaliste malgré le fait bien que ce soit des zombies. Trop bien ce truc là. Donc voilà, pas mal, je recommande. C'était sur Amazon Prime, enfin c'est sur Amazon Prime, mais c'est gratuit. Ouais. c'est stylé. Autre chose pour week-end? C'est tout pour mon week-end. Très bien, on va pouvoir continuer tranquillement avec Ouais, mon week-end à moi, du coup, j'ai commencé une série. Alors, tu peux mettre le générique de la saison 1 sans la musique, évidemment, pour les DMCA, mais j'ai commencé One Piece. Oh my god, quelle idée débile. Mais pourquoi commencer One Piece en 2021? Bah, bravo, quel furieux je suis. Ah, moi, je le suis. En fait, j'attendais que toutes les saisons soient en caille. Soit tu es fou, soit tu n'as plus de vie. Non, mais en vrai, du coup, j'ai commencé One Piece, je sais un culte que je suis. Ouais, en caille, mais après, bon, in fine, du coup, en gros, pour ceux qui ne savent pas, les cailles, c'est juste des gens qui ont. Pris par exemple les 7 premiers épisodes, qui fait peut-être 1h40, ils le compilent, ils en font 1h14, ils enlèvent les scènes un peu nulles. Quand il y a un flashback un peu plus tard dans l'histoire, ils le remettent au moment où tu rencontres le perso plutôt que 2 épisodes après quand ils le racontent sur le bateau, genre de choses. Et donc du coup, j'ai avancé un petit peu, j'ai fait la découverte du personnage principal, évidemment, de Zoro, de Nami, de Usopp. Et là, je me dirige vers Sanji, donc je suis vraiment au tout début. Tout le monde doit me dire.
tout le monde me dit oh, mais la chance que tu as de ne pas savoir ce qu'il y a. Du coup, je me suis jamais spoil pour l'instant et je ne lirai pas le chat. Et je me suis jamais spoil du tout. Et je sais que bah, ça a été quand même un, bah, juste une masterclass hein, du début à la fin. Apparemment, One Piece, c'est vraiment le manga. Fini, le plus, ouais. Non, c'est pas fini encore, mais c'est le manga le plus vendu dans de l'histoire de l'humanité en vérité. Au-delà de DBZ, et en termes de nombre de tomes vendus. Je savais même pas d'ailleurs, mais pendant des années, il était vraiment seul en tête. J'ai vu une petite vidéo YouTube un peu nulle, tu sais, en mode quels sont les mangas les plus vendus au Japon. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'années avant que One Piece passe deuxième. À certains moments, Demon Slayer est passé devant. Il y a eu L'Attaque des Titans qui, une année seulement, est passé devant. Enfin bref. Phénomène. Donc, du coup, j'ai trop kiffé. Je vous invite à regarder si vous n'avez jamais suivi les Kai, du coup. Et du coup, bah, tu tapes Kai, One Piece. Tu les trouves très facilement. Ils sont streamables de manière légale. Grâce à des druides. Grâce à des druides. La version Kai, ça veut juste dire sans les fillers, c'est ça? C'est en juste, gros, c'est juste des éléments importants de l'histoire. En gros, je pense que les Kai de la première, enfin, des deux gros premiers arcs, donc jusqu'à l'épisode 120, entre guillemets, c'est vraiment, ils ont pris le temps de découper et d'enlever et les épisodes fillers et parfois de rescotcher des trucs à certains endroits que t'es pas les cuts, tu vois, en mode... Okay. Voilà. Ça fait vraiment un film, quoi. Et donc, du coup, il y a un total de... 5, 10, 12 films, je crois, pour le premier arc. Et à partir d'un moment, bon, c'est des Kai où finalement, en effet, il y a vraiment moins de cuts. Comme c'est sorti il y a moins longtemps, les mecs y ont donné moins d'attention. Mais les Kai du tout début, il y a vraiment beaucoup plus de trucs qui sont... le puzzle est un peu réembriqué différemment, quoi. Ok, voilà. Ok. Mais ça change pas trop l'expérience, apparemment. Et c'est vraiment... écoutez, dans 6 ans, je vous dirai comment ça sera, quoi. Comment ça se finit. Voilà, exactement. Surtout. J'ai, mesdames et messieurs... L'e-sport. Non. Oh. J'ai trouvé, j'ai visité et j'ai peut-être trouvé la maison dans laquelle je vais habiter. Oh putain. Tu penses au copain. J'ai écrit comme Crémaillère. Ça là. J'étais en vieux short tout dégueu, tout transpirant. T'as fait de chez Kos ? Moi, je dis faire une proposition de 390 000 euros. J'ai écrit et donc ça du pique. Coup, ils ont la dame a accepté. Au final, je vais faire plusieurs visites et c'était stratosphérique parce que la proprio, je l'ai rencontrée. Et en fait, elle est venue sur place et mes parents qui étaient avec moi et Mélodie sont partis faire une visite pendant que nous on restait avec cette propriétaire là tellement en fait bah, on aimait la maison et on accrochait aussi avec la dame. Du coup elle a commencé à me raconter sa life et tout, à me dire qu'ils appelaient son fils oui parce qu'en fait son fils à chaque fois qu'on lui disait genre tu feras ça demain, il disait tout le temps oui et après il me dit d'ailleurs il me fait penser à vous et là, je lui ai répondu oui donc du coup il y avait plein de connexions et tout et la maison elle est archi quali, elle est là depuis 86 et c'est tout le temps les mêmes gens qui ont été dedans, du coup tout est optimisé aux petits oignons de fou furieux, c'était leur maison quoi, ils ont éduqué 3 gosses dedans et tout, ils partent après 40 ans donc du coup la maison est juste toute prête à être à y habiter dans un petit hameau de maison où ils ont un site internet pour dire salut, est-ce que quelqu'un peut me prêter sa tondeuse, ouais. Ils font genre des trucs comme ça et avec une entrée la fête des voisins à mot, enfin vraiment 57 pas je suis dans la forêt quoi. Donc du coup la petite vie de il était là avec sa boussole nord-ouest 1, 2, 3 il est prêt pour Koh-Lanta le mec tu vois, couteau il est chaud là. Pour la petite histoire c'est mon daron qui a vraiment compté j'ai compté ça fait 70 pattes genre putain on s'en fout mais du coup voilà donc trop content inch que ça passe là je vais voir les banques pour leur dire bonjour je viens emprunter car je fais un achat après ils vont me dire ta gueule tu es streamer je vais faire d'accord. Du coup j'ai déjà une proposition avec ma banque de base mais qui a un taux de un petit peu voilà de 1,37 j'en dirais pas plus ça mais c'est pas mal mais c'est du coup 37, on peut, ben apparemment il y a des taux à 1,10, 1,37 c'est oui tu veux pas un taux à 0,2 aussi ce serait bien il y a des taux à 1,5 si tu peux payer mes frais de notaire d'ailleurs ça va il y a des époques où c'était bien plus haut que ça les bons taux donc non mais c'est clair mais après du coup je vais être obligé de faire le déplacement et à chaque fois que je fais le déplacement bonjour qu'est-ce que vous faites dans la vie streamer c'est-à-dire ah vous gagnez votre argent via Twitch non pas vraiment en fait je fais plein de petits trucs à droite à gauche ah vous connaissez Gotaga tu vois Faut dire animateur. Non, mais en vrai, ça va. La première personne à qui j'ai expliqué, ça va. Mais du coup, le dossier est un peu particulier. Après, il me disait votre SAS, elle a que 4 mois. Comment je fais pour vous prêter? Ah, bah, je faisais pareil en AE avant. Regardez, c'est mon argent. Oula, ça a bien diminué. Oui, bah, il y avait le Covid. Ah, d'accord. Donc là, c'est parti pour deal avec les banques et voir un petit peu. Et c'est un peu le. T'es un courtier? Bah justement, j'appelle un peu. En gros, je vais voir un courtier et je vais voir deux banques différentes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, bah, ces gens-là. Tu te dis qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils rencontrent des gens comme nous, entre guillemets, pour acheter ou pour faire une offre. Et donc, du coup, souvent, genre au bout de 20 minutes, il n'y a plus aucune question sur la maison. C'est en mode. Et du coup, la Paris Games Week, c'est difficile, tu vois. Genre, en fait, ils parlent. Ah, mais ils vivent des publicités sur Internet. Tu vois, et du coup, ça part en explication de métier pendant 15 minutes. Mais bon, Inch'Allah, en tout cas. Tu baisses à 1,15.
1 15 ouais, au moins. Genius bah, courtier après non, Genius Saint-Jean. J'ai un bel apport, j'ai un bel apport. Un bel apport, c'est qu'il a ce qu'il a comme apport ou autre. Au moins jusqu'à 1 15. Sinon j'arrive. Tu sais, c'est très galère. Et je fais une imitation. Une imitation et ils vont te baisser. Non mais si tu connais un bon courtier, évidemment, on peut rester en contact. Donc une fois que j'ai appris cette bonne nouvelle là, bah, moi aussi je suis allé voir le match. C'était un peu bon bah écoute, on m'a dit que le gardien était monstrueux de chez eux en tout cas. Donc du coup j'ai regardé quelques extraits et c'était comme tu disais un peu rompige dans le sens où bon, c'est toujours 90 minutes pour finalement 10 minutes. De stress. Bah, le best-of te fait gagner du temps, hein, c'est sûr. Ça. Mais bon, après, c'est intéressant ça. De voir aussi. Bon, attention, Footix, c'est incoming, mais même si le résultat est important, c'est intéressant de voir comment joue notre équipe pour dire ok, l'équipe de France, là, elle en est où ? Est-ce qu'elle joue en bien, mal ? C'est difficile à dire quand t'es pas spécialiste, mais voilà, est-ce que t'as l'impression qu'ils sont dedans, qu'ils tentent des choses ? Est-ce qu'ils subissent pendant 90 minutes ? C'est quand même intéressant de voir ça pour te mettre un peu en condition et te donner de l'espoir pour la suite. En vrai, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir le public parce que il y a pas de COVID, ils sont à poil, il y a beaucoup de monde, il y a un bruit de ouf. Enfin, ça faisait longtemps. Ça poussait dans le public. Ça faisait très très longtemps. Ils se sont pas mal plein de ça d'ailleurs. Bah, ça les a surpris. Mais t'imagines du jour au lendemain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec un public contre public plein et en plus. Contre nous. Alors oui, en vrai, on s'entend pas parler sur le terrain. Enfin, ça change les habitudes. Ça se comprend, en vrai. Mais d'un autre côté, 1-1 face à la Hongrie, alors qu'on est champion du monde en titre. Ça fait un peu l'excuse entre guillemets. Là-dessus, mais, justement, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Mais c'est sûr que ça fait la différence quand tu joues à la maison. De toute façon, tu le vois dans les Ligues des Champions, etc. Quand ils jouent à la maison et quand ils jouent même au basket, quand ils jouent à la maison et quand ils jouent à l'extérieur, c'est pas. Mais est-ce pareil que la Hongrie, c'est une équipe si mauvaise que ça? Bah, en tout cas, c'est pas une. Pas sur ce coup. Pas sur ce coup. C'est pas. Ils ont un bon gardien. C'est pas une équipe que tu t'attends à faire un match nul contre quand t'es champion du monde sortant. Après, faut aussi dire un truc, Ted, excuse-moi de te couper, on est sur un match de la Hongrie qui est dans la poule de la mort, qui sait qu'elle va sans doute perdre, qui joue contre le championnat du monde à domicile. E1-1, c'était la victoire, quoi. Donc, du coup, il y a aussi ce truc-là. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Hein. À la fin, ils fêtaient ce nul comme si c'était une victoire. Oui. Je suis en mode, les gars. Oui, mais ils sont derniers du groupe. Ils viennent de faire 1-1 contre l'équipe de France. Et c'est surtout que l'Allemagne n'a pas de points. Donc, en fait, à ce moment-là, ils sont en mode, bon, il faut au moins un nul, sinon on rentre à la maison, quoi. Oui, c'est ça. En plus, donc, pour eux, forcément, ils jouaient leur vie de fou. Alors que, bon, nous, on n'est pas encore qualifiés. Je crois que si on perd contre le Portugal et que, du coup, l'Allemagne. La Hongrie gagne contre. Il faut faire nul en fait, ou gagner. Faut faire nul ou gagner. Ah, faut faire nul ou gagner. Ouais. Nul ou gagner. Faut au moins gratter un point. Mais si on perd, du coup, et Portugal, en vrai, c'est une grande nation du football, donc. C'est vrai que là, on va se chier dessus, tu vois, samedi. Mais vous, au bar, vous n'aviez pas ce mec un peu alcoolisé qui était là en disant, c'est le syndrome des gagnants, ça, c'est le syndrome des gagnants. Mais du favori, le syndrome du favori. L'autre, il m'a gueulé ça 20 fois dans l'oreille quand il voyait qu'on était en train de paumer. Mais je fais, mais arrête avec ton syndrome du favori, tu me saoules. Qui connaît ça, le syndrome du favori? Il y a eu plusieurs fois ça. Il y a des mecs qui le disent. La peur de gagner. Mais moi, j'ai trouvé les Hongrois, on dit beaucoup, ok, l'Hongrie et tout, c'est pas l'Allemagne, tout ça, etc. Moi, j'ai trouvé les Hongrois, franchement, ils se sont battus, ils ont donné toute leur vie sur chaque match. C'est un match relativement physique, oui. Tu vois, là où N'Golo Kanté, par exemple, évidemment, était très bon, de temps en temps, même lui, je l'ai vu physiquement, il était surpris par quand même les joueurs adverses. Et il ne faut pas oublier un truc, encore une fois, et je le dis, et je l'aime énormément, et je veux qu'il se débloque. Pitié, Karim Benzema, j'espère que mercredi, ça va être son jour, ça va être son heure, parce que si jamais on perd ou qu'on ne se qualifie pas, etc., et qu'il reste encore sur un euro sans but, ça me fait mal au cœur. Parce que moi, je l'aime beaucoup Karim Benzema, je l'aime bien, c'est un grand joueur, franchement incroyable. Mais en même temps, est-ce que. Et là, il est bloqué. Oh, là, on part dans des analyses. Non, attention. On a un peu l'impression qu'il avait tout constamment. On n'est pas foutus. Trois joueurs adverses sur lui, quoi. Donc. Non, mais attention. Et puis mentalement, c'est compliqué. Et puis, comme tu dis, voilà, après, il faut pas oublier qu'on gagne. On fait match nul, on perd pas. Voilà, je pense qu'on va quand même passer. On sait pas, hein, le dénouement du groupe est intéressant. Après, mais voilà. Si on n'est ni premier ni deuxième, il y a les meilleurs troisièmes qui passent. Ouais, les meilleurs troisièmes passent, ouais. Donc. Donc globalement, ça devrait aller, mais c'est vrai que t'as quand même c'est un peu moche de rentrer par la petite porte. Bah ouais, on est d'accord. On a surtout quand même si envie de péter la double porte comme ça en mode. C'est joue ça se marque. Beaucoup de gens disent que c'est équipe de France, on est champion du monde, on doit gagner tous nos matchs 5-0. C'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement, le foot. Et l'Allemagne, bon,
Bon, c'est eux qui ont marqué pour nous, tant mieux. La Hongrie, voilà, ils ont tout donné. Ah, s'il y a des mecs qui avaient fait un pari 1-1 Hongrie, là... Je pense qu'ils avaient... On a une belle équipe, écoute, on va chauffer. Et puis souvent, des fois, on commence mal, et puis on est bon après. Hein. Oui, parce que le but, de toute façon, on s'en fiche, c'est de gagner à la fin. But, c'est de gagner. Même si j'arrive par la petite porte, frère, peu importe. Hein. Le 11, si c'est finale France, ils gagnent. Portugal, ils nous ont mis 1-0 la dernière fois, on n'avait même pas vu le but. En soi, ils ont gagné, donc moi, peu importe. Hein. C'est vrai. Reste optimiste. C'est non, mercredi, c'est pour nous. Voilà. Ou alors on perd 4-0. On perd 4-0. Et là, c'est la merde. Et là, c'est la multi. Voilà. J'ai regardé également un film d'animation Pixar. J'ai regardé Luca. Luca, le film. Je ne sais pas si vous avez vu, quelqu'un a vu. J'ai regardé hier, mais je n'ai pas pu. Merci beaucoup d'avoir retrouvé les images. J'avais même pas linké, mais ils sont trop forts. Du coup, sympa. Au début, je me suis dit, oulala, un remake de La Petite Sirène. Du coup, l'histoire d'un homme poisson entre guillemets qui ne sait pas vraiment qui peut retourner qui peut sortir de la flotte. Sauf qu'évidemment, il se retrouve dans un petit village italien, découvre un petit peu la vie des humains et a pour objectif de cacher qu'il est un homme poisson. Sauf que de l'eau, à chaque fois qu'il touche de l'eau, il devient homme poisson. Et de l'eau, sur un petit port comme ça italien, il y en a un petit peu partout. Et donc, du coup, ça devient un peu le gimmick, genre attention, il commence à y avoir de la pluie. Ou attention, si tu tombes d'un bateau dans la flotte, tu redeviens évidemment un homme poisson, en sachant que tous les villageois cherchent les hommes poissons et ils veulent les buter parce qu'ils pensent que c'est des créatures créatures maléfiques et méchantes qui ne connaissent pas du tout l'existence. Et là, on le voit, tu vois, avec ces jolies transformations. C'était vraiment très très mignon. Bon, c'était pas non plus incroyable, mais il y avait un côté très Ghibli. J'ai trouvé dans la fin déjà, en règle générale, dans l'attitude des personnages, dans le côté sur l'amitié, l'amour, la découverte, il y avait des inspirations Ghibli, ça avait été dit en amont, et c'est vraiment le cas, ça se retrouve dedans, donc voilà, ça dure 1h40, c'est assez sympa à regarder, voilà, et ne crachez pas sur votre pote quand il est un homme poisson, ça peut vous mettre dans de sales situations. C'est vraiment un demi, quoi. C'était très marrant. Avec à la fin, j'imagine, les habitants qui se rendent compte qu'en fait, les hommes poissons, ils sont pas si méchants que ça, ou alors ils ont un ennemi commun. Tu spoil ou tu devines, je ne sais pas, mais en tout cas oui, ça finit à la Ghibli, c'est assez mignon. Et enfin, pas de tweet d'autres, mais j'en parlerai un petit peu après. J'ai écouté hier soir, comme tous les dimanches soirs, Little Big Whale, qui était invité chez Monsieur Manouk. Oui, on va en parler après. Voilà, j'ai un petit tweet pour vous en parler. Et j'ai évidemment regardé les finales des RLCSX. C'est un peu particulier cette année parce qu'en gros, normalement, il y a les RLCSX en Europe, aux États-Unis qui se rencontrent à la fin. Sauf que cette année, il n'y avait pas de rencontre. Et donc, du coup, ça s'est terminé avec une finale européenne, puis une finale américaine. Et j'en parlerai également dans mes réseaux sociaux. Avec Vita. Hein. Voilà. Nickel. Avec Vitality versus BDS. Ouais. La fin de la malédiction, il disait non, c'est ça. Bah, tu verras, je t'en explique. Ah, il est bon, putain, il tease, il tease. Je vais pas te dire maintenant. Attends, les infos. On termine avec toi, vas-y. Yes, moi, ça a été déménagement. Alors, c'était pas le mien. Comme d'habitude, tu te fais appeler par les potos. Ils jouent sur les sentiments. Viens nous aider un jour. Et puis finalement, ça dure 3 jours. Donc, je me suis fait embarquer. En 82, je t'ai prêté 10 balles. Bon, après, là, c'était le meilleur poteau. Bon, j'ai fait l'effort. Mais on s'est quand même retrouvé à 2h du mat à déménager sous la flotte à Saumur. J'ai fait abandonner, il y avait une connerie quand même. Tu vois, les voisins nous détestaient. Bon, et puis voilà, cette petite séquence où tu arrives dans l'appart, déjà, tu pars de Saumur. C'est des vrais beaux immeubles, des vraies belles baraques. Tu arrives à Paris, frère, mais le truc, tu vas même pas faire passer une chaise. C'est tendu. Mon cul ne passe pas dans l'escalier, tu vois. C'est compliqué quand c'est toi qui portes le canapé ou le frigo. Donc voilà, on était un peu dans cette ambiance de se dire, bon, toujours avec des techniques. Alors les gars, on fait d'abord les gros objets, puis après les carton, et puis en fait nous on va changer, enfin un déménagement. Est-ce qu'au moins le déménagement était correctement organisé, à savoir t'es arrivé, il n'y avait pas de carton à faire quoi, non c'était organisé, franchement je mentirais en disant que ça ne l'était pas. J'ai fait des déménagements où il y avait encore du linge mouillé dans la machine, il y avait encore carrément toute la vaisselle dans l'armoire, avec cette logique de dire non mais si je la laisse dans l'armoire quand je la mène dans l'autre maison, j'ai pas besoin de faire un carton d'armoire. Et toi t'as fait mais qui va la porter, abruti, c'est toi ou c'est moi? Donc elle fait 40 kilos, t'en peux plus. Voilà, mais non, là c'était très bien organisé. C'était au poil, mais ça durait 3 jours, donc il fallait quand même être parce que les gens, je sais pas ce qu'ils ont avec les déménagements. Et alors, parce qu'on est parti de Saumur, vous étiez deux? Non, on était 6. Mais on a bu. Ça aide. Les infos. Et donc, c'était festif. Donc, on a quitté Saumur. Jeudi soir, Saumur. Vendredi, on était sur la route pour Paname. Et samedi, on a commencé à déménager. J'ai cru que tu allais dire, et dimanche matin, ça déménage. On a commencé. Mais par contre, je ne comprends pas cette logique que les gens aient envie de déménager
tôt le matin. C'est-à-dire que moi, j'étais là, c'est on avait déjà deux nuits à deux heures de sommeil. Parce qu'ils veulent le faire tant qu'il fait jour et que plus vite c'est fini, plus vite on est tranquille. Comme ça, ils peuvent profiter. Moins de gens sur la route. Et si on a plus d'énergie, les bros, à un moment donné, moi, je dormais presque sur la voiture. J'ai pris deux Red Bull. J'étais comme ça, hop, sur Paris, j'ai failli me bouffer un truc. Non, c'était vraiment tête en axe. Mais bon, ça s'est bien fait quand même. Quand même, deux nuits, quoi. Mais ouais, ça a été... Bah, sachant que j'ai enchaîné tout de suite derrière avec Table Quest, qui s'est très bien passé à Lyon hier, et qu'on a eu eh bien, effectivement un petit after qui a duré. Tu veux dire, on a bu. Non mais arrête, va pas me faire passer pour un alcoolique, et, parce que sinon je vais avoir bu tous les jours. C'est marrant parce que le seul autre mec qui nous dit cette phrase, c'est Erwan. Et en général, Erwan a bu. En vrai que général, c'est un professionnel. On a bien bu. Mais donc voilà, bah, Table Quest avec mes petits amours, voilà, Alpha, Eventis, Roma, mon JDG Fred, Avamine et bien sûr Molincus, ZQSD, on les big up, Iberix également, Donjons et Dragons, let's go. Mais donc c'était le troisième épisode qui a été très mouvementé, il y a eu de l'action, il y a eu de l'aventure, il y a eu de l'amour, il y a même eu un peu de sexe. Vraiment, c'était un épisode de tout feu, tout flamme. Et donc, bah, voilà, on enchaînera avec le quatrième épisode au mois de juillet, et il y en aura sans doute un cinquième, in fine. Il y a un énorme événement qui s'est passé à la fin de cet épisode 3, je ne peux pas le dire, vous irez voir les VOD. C'était très sympa, mais c'est surtout le plaisir de partager vraiment un saucisson, un triple. Alors, mais voilà, les termes, parce que finalement, une soirée jeu de rôle, bon. Alors, moi, il faut se dire que hier, je sais pas ce que j'avais, mais j'avais le couteau facile. c'est-à-dire que, en gros, j'ai dégommé ma planche avant la première pub. Et donc, à la pub, j'ai fait les gars, faut recharger. Parce que là, j'ai plus rien. Sinon, et en fait, t'as Ava qui m'a filé son siffleur. Sûr, il a chopé Fred son fromage. Mais, c'était nappe. Mais c'est le délire du JDR. Vous faites-vous des JDR ou pas, les gars? J'en ai pas beaucoup fait, mais j'ai assisté à plusieurs JDR récemment et c'est très, très drôle. Ouais, franchement, il y a matière à se marrer, mais surtout qu'on se disait que finalement le JDR ne marcherait pas trop sur Twitch, et on constate que en ce moment ça cartonne. On en a déjà du eu feu. Chez nous avant, ça marchait très bien. Game of Thrones, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait chez AMV une bonne session, et qui a annoncé faire aussi avec AMV chez OTP, je crois, il n'y a pas longtemps là. Mm-hmm. Ça a été annoncé aussi, donc ouais, il continue. En vrai, le jeu de rôle, c'est un truc qui se partage bien, et en plus de ça, je trouve qu'avec les déguisements, ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous êtes dans du semi-RP. Toi, tu es presque dans du RP tout le temps, ou presque, mais même un personnage qui ne va pas être 100% RP comme on a l'habitude de le faire à la maison, le fait qu'il ait les costumes, quoi qu'il arrive, ça met dans le mood, ça met dans l'ambiance. Bah ouais. Et du coup, ça force un peu le joueur à chercher du RP. Et en même temps, c'est une bande de potes qui se marrent. Donc, je trouve que c'est un moment qui se partage très, très bien. En fait. Bah, nous, on a l'impression en fait, d'être à Disneyland. Enfin, tu arrives là-dedans, tu arrives sur le plateau, tu es déguisé. Moi, je suis allé au plateau, c'est incroyable. Hein. Tu fais, mais waouh, j'ai pris des photos. Hein. Non, mais c'est vraiment impressionnant. C'est grand et tout, c'est stylé. J'ai déjà prévu de leur voler la planche à saucisson. J'ai dit que la dernière chose, avec toute l'équipe la signe, et que je garde cette planche avec moi pour le trophée. De saison 1. La planche à saucisson signée. Les gars, il s'est passé tellement de choses sur cette planche. Le trophée, évidemment. Le donc, trophée. Donc voilà. Et puis, bien sûr, la fête des pères. Personne n'y a pensé. C'est alors vrai, là, ça. Les gars, tout le monde en a eu rien à foutre. Voilà, c'est le big up pour ceux qui ont encore la chance d'eux. Et bah voilà, j'ai. Bon, bah ça, j'imagine sur ta Tesla, Max, hein, le plaisir de Love My Dad. Oh, je te jure, un jour, si ça arrive, ce truc-là, je crois que je meurs. Mais donc voilà, la fête des pères, c'était le petit bisou, le petit big up aussi. Parce que bon, on était à Table Quest, donc j'ai pas pu être avec lui à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais si ton gosse t'arrête ta caisse comme ça? Allez, il partait qu'il y a des choses interdites, alors. Qu'est-ce que tu fais de légal? Ouais, voilà, donc déjà, bon, bah, il n'y a plus grand-chose, mais. Tu prends le prix de la portière, c'est. Non, mais là, il n'y a pas que de la portière, là, il a tout fait, l'autre, là. Hein, ah, là Mais ça part d'une bonne intention, tu Dis-toi qu'il y en a pour 1000 balles de réparation, bon, bah, tu vas faire la vaisselle. À chaque fois que tu fais la vaisselle, tu gagnes 10 balles. Va falloir faire la vaisselle un petit peu, voilà. Alors après, il faut savoir que moi, la voiture la plus haut level que j'ai eue, c'est une Laguna de 92. En soi, on est quand même plutôt tranquille. Si elle me tag ma caisse, je fais bon, bah, elle prend limite de la valeur. Voilà, juste, tu sais. Allez hop, c'est parti, on y va. Mais donc bon, mais c'est vrai que sur une bagnole un peu taquin, ça se piquait. C'est gênant. Ah bah. Bon, effectivement, c'était la fête des pères. Tu as raison de le souligner. Si vous avez oublié, il n'est jamais trop tard, hein, évidemment. Pourquoi pas. Les réseaux sociaux, jingle. Yes.
Alors évidemment, il y a d'autres sujets dont on va pas parler, on va en parler de suite. On va commencer avec la réouverture des discothèques. Des discothèques. Yes. Tu dis discothèque. Non, c'est le discothèque. C'est personne. C'est... Voilà, c'est ça. Moi, c'est je. Ça. Non, mais ouais, Julie le runner. Ah ben non, c'est. Ce que j'adore, c'est que celui qui va le moins en discothèque, il dit. C'est vrai que sur une échelle de rien à foutre à rien à battre, je suis vraiment entre les deux. Est-ce que t'as déjà été une fois déjà? Mais bien sûr, quand j'étais ado, j'y suis allé plein de fois. Quoi. Bah, il y en a, ils aiment pas. C'est juste. Mais que, tu vas au moins une fois pour tester. Toi, t'es un habitué. Au bout de la 16e fois, sans qu'il se passe rien et que tu repartes, tu dis bon, bah j'ai juste perdu 20 balles. Tu mais finis en vrai, par puer. Non, mais c'est pas un club échangé, c'est une boîte de nuit. Bon, il y a personne. C'est le mec chelou de jumper, tu sais, qui regarde. Ouais, c'est ça. Tu veux rentrer chez moi avec toujours les mix les plus pétés de la terre. Oh, mais quel enfer. C'est pendu. Les fameux mecs qui comptaient en mode. C'est pas mon truc, mais. C'est le truc de plein de gens et évidemment ils ont bien le droit d'aller s'amuser. C'est pour ça que ça rouvre le 9 juillet, mais attention avec une petite douille. Ah, c'est quoi? Tu mets le masque. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Ça fait 23 heures. C'est un lieu clos, donc je n'imagine pas qu'il n'y ait pas de masque. Ouais. Ah bah il y a les moches qui ont encore une chance alors, bah c'est parfait, on va pouvoir y aller. C'est la bonne manière de voir les choses. Et le deuxième truc, c'est passe sanitaire. Donc, soit vous êtes double vacciné, soit vous avez un test PCR négatif de moins de 48 heures. Oh putain, sinon, voilà. Let's go pour aller boire une boisson à 10 balles. Let's go. Et en plus de ça, ils n'ont le droit de remplir la boîte de nuit qu'à 75% de sa contenance. Ça, c'est pas si pire en vrai. Hein. Au-delà de. En règle générale, les boîtes de nuit pleines, c'est chiant. Hein. Oui, tu peux te faire recaler de plusieurs raisons maintenant. Ouais, c'est pas ce que j'allais dire. Pas de basket. Genre, non, t'es bien habillé, t'es basket, t'es accompagné. Ah, pas de passe. Pas de PCR. Dommage. Il n'y a pas d'AstraZeneca. C'est vrai que t'as 10 points à cocher, mec, c'est l'enfer. Sinon, si t'as coché les 9 points que tu te fais têcher pour les baskets comme à l'époque. Putain, j'ai tout sauf ça. Non, mais après les discothèques, il y a discothèques et discothèques, parce que ça ne pouvait rien dire. À Paris, il y a plein de clubs différents. Parfois, c'est des péniches, parfois, c'est des caves, parfois, c'est des trucs cachés, parfois, c'est des arrières de bar. Parfois, tu sais, il y a discothèques et discothèques. Tu vois, par contre, quand tu vas en banlieue ou dans des grandes villes, parfois, et que tu as des espèces de manoirs énormes avec 7 salles, 7 ambiances, 97 coubières. Oui, là, c'est une discothèque un peu particulière. Waouh, mais dis donc, c'est quoi cette adresse utile? Chalon champagne, du lourd. C'est quand même la différence entre une discothèque qui est vraiment un truc paumé dans la camp, tu gueules, et le club dans une ville, tu vois ce que je veux dire. Et il y a plein de clubs qui sont différents, mais après je pense que après à Paris, comme beaucoup de gens, il y a boîtes des vraies boîtes. Ouais, il y a des vraies boîtes. Mais moi je me demande si je préfère pas les boîtes de campagne quoi. Bah si, moi aussi en vrai. 100%. Le meilleur truc c'était la ferme, je sais pas si vous connaissez, c'était la ferme. C'est la ferme de Nanterre, à Nanterre Université. Tu allais au fond du campus et il y avait un mec qui avait une ferme et en fait C'était une ferme ouverte avec des DJs. Une ferme dite pédagogique. Une ferme dite pédagogique. T'avais encore les animaux à droite à gauche, mais voilà, les animaux c'était plus. Tu parles des êtres humains nous, ou les humains, c'est ça. Les animaux ils kiffaient la musique, ils étaient d'accord. Je sais pas, il y avait des trucs. Bah non, je crois pas qu'ils aient signé grand chose, tu vois. Bah avec technique un petit peu tout ça. Bref, voilà, réouverture le 9 juillet. Pas obligatoire dans les discothèques, mais recommandé seulement. Ah. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le masque ne sera pas obligatoire dans les boîtes de nuit, mais il sera seulement recommandé. Ouais, bon, autant dire personne. On va s'en battre les couilles, c'est à peu près le message. D'accord, très bien. En même temps, la boîte de nuit avec un masque. C'est une ambiance. En fait, tu peux y aller juste pour autre chose que pour serrer quelqu'un. Enfin, tu peux y aller juste pour t'amuser. Tu peux y aller pour danser, écouter la musique, boire des coups hors prix avec tes potes. Et du coup, pourquoi pas aller dans un bar dansant où tu peux avoir accès à l'extérieur et tout. En fait, c'est ça le truc. Tu prêches un convaincu. En fait, le problème, c'est pas pour rencontrer quelqu'un. Tout ce que tu peux faire d'autre dans une boîte de nuit. Tu peux le faire ailleurs moins cher. Donc Et puis sans devoir hurler. Tu peux pas me montrer que t'as autant d'argent dans un bar. Je vais vous prendre 800 bouteilles. Au moins, en boîte de nuit, je vais en prendre 200 balles. Non, t'as les moyens. Je vais en prendre 2. Et une planche de saucisse plat, mon monsieur. C'est la fameuse mix. On connaît. C'est vrai que, de manière tout à fait pragmatique, j'ai du mal à voir l'intérêt d'une boîte de nuit, mais en général, tu te laisses traîner par un pote qui, lui, sait qu'il va gérer sa soirée et tu fais c'est notre OK, ambiance. Je viens avec toi. C'est un peu particulier, c'est une autre ambiance, c'est vrai. Après, j'ai peut-être connu aussi que des boîtes de nuit à chier. Oui, c'est possible. Possible aussi. Encore une fois, c'est très large quoi, comme terme. Bon, autre thème qui est aussi un petit peu lié à la condition qu'on vit en ce moment, pas sanitaire, masse, tout ça. C'est évidemment la fête de la musique, c'est tonight. Non, c'est ce soir. Tonight. Évidemment. La fête de la musique, si vous voulez y aller, attendez deux secondes. Il y a
peut-être un coup à jouer. Petite déception. Petite douille encore. Pas de musique. Petite micro. Douille encore, effectivement. Alors, je vais quand même voir le truc pour pas vous dire de bêtises. Il n'y a pas de douille dans la cave de tête, c'est moi qui te le dis. C'est la douille. Il n'y a pas que ça. Les configurations assises sont autorisées. Pour faciliter la gestion du flux, éviter les regroupements et attroupements qui seront encore interdits ce soir. Bien sûr, la jauge maximale autorisée en salle ou en plein air correspondant à 65% de la jauge sécurité incendie dans la limite de 5000 personnes. Le pass sanitaire sera exigé, évidemment, pour toute salle de plus de 1000 personnes. Bref, il n'y aura pas de couvre-feu, ça... C'est quand même la bonne nouvelle. Mais effectivement, il va falloir non seulement rester plutôt en plein air ou dans des salles qui vont être très aérées puisqu'il n'y aura pas beaucoup de monde dedans. Obligation d'être assis. Et s'il y a des attroupements qui se créent, il va falloir... J'ai l'impression que cette année, la fête de la musique... Enfin, et interdiction pour les groupes amateurs de venir se poser n'importe où. Évidemment. Pour le jazz manouche, les bœufs, les sarouels et tout. J'ai vécu beaucoup à l'étranger. Je me rappelle qu'avant la fête de la musique, c'était vraiment aux Zeftières. Et là, j'ai l'impression que tout le monde veut en faire. OK, c'est la première grosse soirée depuis la fin du monde. Ouais. Et tout le monde veut sortir et se détruire. C'est qu'une impression. Ah non, c'est l'objectif. D'accord. Ce week-end, c'était la fête de la musique. Ne m'appelez plus dans deux heures. Dès ce soir, il roule on est là pour. On ne vit qu'une fois. Mais avec les gestes barrières, nanana. Il y aura tout le monde. Il y aura gestes barrières. Il y a juste un qui vient pas, c'est modération. Gestes barrières. Les autres sont là. Il y a pas de soucis. Ça va, je traîne depuis un an et demi, c'est bon. Ils peuvent me lâcher une soirée. Par contre, après, c'est dur. Enfin, c'est dur. C'est comment est-ce qu'ils font pour respecter ça, tu vois? Genre, t'imagines, t'arrives à l'extérieur, il y a des gens, t'as des flics qui sont là, en mode, vous êtes debout, asseyez-vous. C'est genre, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils préviennent un petit peu, c'est que ça prévenir, va être de la merde, pour ça. Que les gens aient pas envie d'y aller, et puis comme ça, t'as fait ta moitié fait. Par contre, faites gaffe si vous êtes bon parisien, mais voilà, les métros se ferment avant 5h cette année. Ils ferment vers genre à 3 ou 4h du matin. Mais ils sont gratuits. Oui, ils sont gratuits, mais normalement, c'est illimité all night long. Et donc là, à l'heure de la fin des métros. Le petit Uber à x17 de modéra. Attends. Les métros ferment. À quelle heure? Normalement, ça s'arrête à 1h ou 2 le métro. Et je crois que normalement, c'est toute la nuit et que là, il doit s'arrêter à 4h ou 5h du matin. Mais gros, s'il s'arrête à 5h du matin, le premier métro, il arrive à 6h, ça va? Attends. C'est pas faux ça. Fou en fait. Ah. Et puis après, il y a rien de mieux. Il y a rien de mieux qu'une petite. Il y a un mec qui a venu, il va fermer les grilles, il va faire. Non, vous avez jamais fait la petite balade nocturne du soir, fait éméché. Il y a rien de Paris mieux. Est magnifique, tu vois, à ce moment-là. Rien de mieux que marcher ou n'importe quelle autre ville. En éméché, bon, je sais pas, mais marcher, contre, la même chose, mais sobre. T'as dit petite balade et un petit peu éméché, t'aurais pu enlever les deux. C'est une longue balade et très éméché. On est bien, on est détente. Il fait bon, en plus, c'est trop bien. En plus, en bonne compagnie. En plus, c'est l'orage. Dans une, là, ça doit t'apater. Ah, c'est vrai qu'on va se prendre un peu de flotte sur la gueule. Marcher. Ça va être sympa de faire une petite marche. Ah, mais ça va me rafraîchir les idées. Hein. En plus, demain, 8h30, je tourne. Alors. pour te répondre, ça m'est arrivé une fois de faire une très longue marche dans une boîte qui était dans un trou très paumé. Et en fait, on a découvert, une fois qu'on était dans la boîte, que c'était une boîte gay. Et on était en mode... c'était pas prévu pour ceux qui connaissent la bordée, la Palooza. Voilà. Tu t'es pas dit qu'il y avait un truc bizarre quand t'as dit on est 5 gars? D'accord. Heureusement d'ailleurs. On était plus que ça. Il n'y avait pas une meuf. Et c'est oui, bien sûr, pas de problème. Et là, on a commencé à sentir le truc bizarre. C'est un moment, il y avait un jeu, il fallait tous se mettre en cercle. Il y avait un tapis. Et en gros, si on mettait le tapis devant toi, il fallait embrasser le mec en mode. Mais c'est une bouteille que t'as fait en feu. Une bouteille en train de consommer. T'es sûr? Parce que là, je crois qu'on va juste aller boire un coup. C'était un petit peu technique, mais vous n'aurez pas tous les détails de cette soirée. Ça me rappelle une anecdote. Ce sera un autre jour. Parce qu'après, on a passé à d'autres objets, il y a d'autres limites. Moi, au début, c'était le tapis. Oui. Moi, j'en avais fait une. Après, si tu peux t'éclater aussi, j'en avais fait une au Bataclan. Ah, mais les gens étaient adorables. Franchement, ambiance de fou. Mais oui. Ambiance de fou. Moi, dans mon petit village, en Provence, il y avait une boîte échangiste. Et je me rappelle qu'au milieu... J'étais bien évidemment trop jeune, puisque c'était dans mon adolescence, pour échanger qui que ce soit. Mais je sais qu'au milieu de la boîte, il y avait le fameux mur à trous, quoi. Quoi? Le glory! Le,
Putain, le G8. Quel est le rapport avec l'ouverture des boîtes? Le puissance 4 de chiffre, quoi. Il faut le puissance 4. Allez, bref, le boîte de nuit ont rouvert et ce soir, ce sera probablement de la merde, mais ça peut être évidemment une occasion quand même de sortir le nez dehors. C'est toujours ça de prix. Mais que le nez. Je fais que le nez. Attention. J'ai hésité. Que le nez. Bien sûr. Le trailer de Kaamelott, évidemment. Eh oui. On est obligé de le mater. Astier nous a un petit peu mis le pied à l'étrier en disant attention, dans 4 heures, on va sortir un truc. Voilà. Donc il y a eu le petit tweet qui allait bien. Et le trailer est bien sorti à 17h. On se le regarde. On en parle après. C'est parti. Voilà. 21 juillet dans les salles, évidemment. Probablement le premier film à aller voir en salle pour beaucoup de gens depuis des mois et des mois. Parce que certains ne sont pas encore retournés au ciné. Ça va être blindé, oui, probablement, effectivement. Ouais. Déjà, petit tour de table. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ce trailer? Est-ce que vous dites « Ah, ça va être énorme !»« Take my money !» Ou est-ce que vous êtes en mode « Ouais, bof !» Pardon. T'as dit non. Bof, hein? Genius vient de dire bof, or Genius veut être aimé de tout le monde. Et c'est ça, non, c'est un parti pris. Tu veux dire que là, t'es prêt à te brouiller avec Alexandre Astier qui sera demain dans ses locaux pour Popcorn? C'est ça que t'es en train de dire? Après la première séance, je peux être là. Non, il y a quelque chose, moi. Bien sûr. C'est pas à la base mon univers. Moi, j'ai découvert Kaamelott il y a, je crois, un an. Comme ça, je connais pas. Je suis pas. Alors, je sais, ça a choqué du monde, je suis pas fan. Pour moi, Alexandre Astier, très bon comédien. Pour moi, c'est comme Thiébel, il a joué qu'Andrew Lincoln, pour moi, c'est des petits rôles comme ça, je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas du tout fan, un peu de humour là, je ne suis pas du tout fan de Kaamelott de base. C'est très bien écrit, très bien joué, sans souci, mais voilà, je me sens un peu tout seul parce que je ne suis pas... Tu n'es pas fan de l'humour burlesque. Tu attises le feu, et puis après, tu fais « Non, mais c'est bien, c'est bien. » Non, parce que je reconnais... C'est peut-être moi le problème. tu sais, ce genre de fiction, faut pour que ça soit efficace, il faut que ça soit très bien joué, très bien écrit. Et c'est le cas. C'est très très bien joué. Ils sont tous bons et puis Astier, il est exceptionnel. Et une sacrée line-up. Voilà, et puis je parle de la série là. Mais c'est juste que ça ne me touche pas. J'ai pas grandi avec Kaamelott. Ça m'a jamais porté. Et du coup, l'humour burlesque, genre de type. Bon, Mission Cléopâtre, c'est un peu un ovni, mais genre les nuls, les trucs comme ça. Enfin, genre. Ah si, mais c'est pas pareil. Caméra café, la Cité de la Peur. Si, j'adore. C'est juste que c'est différent. Pour moi, c'est pas trop le thème. C'est pas trop ce thème-là. Mission Cléopâtre, pour moi, c'est Masterclass. Okay. C'est autre chose. C'est un autre univers. C'est un autre. J'avoue que ça va être difficile parce que j'ai quand même l'impression que les gens s'attendent à un Mission Cléopâtre 2. Alors, c'est pas le même thème, hein, on a bien compris, mais on va dire niveau de la hauteur de l'humour, quoi. Mais c'est bien perdu d'avance. Franchement, la barre est si haute, quoi. C'est une pression Le problème, c'est que Astier a dit depuis très longtemps que sa trilogie n'avait rien de comique. Le but, là, c'est pas de faire du Mission Cléopâtre. Il a dit au contraire, les gens qui s'attendent à avoir du Kaamelott, Couillère, nanana, mais vous allez être déçus de ouf. Moi, je prévois Son trailer, il te met un passage avec Perceval qui dit rien. Non, mais bien sûr qu'il va te glisser une ou deux vannes. Tu serais complètement con de pas le faire. Mais s'il a mis autant de temps, Alexandre Astier, à faire son film, c'est parce qu'à la base, il avait du fric à ne plus savoir qu'en foutre, une fois qu'il a récupéré les droits. Sauf que quand il a dit aux gens qui finançaient, alors les gars, les mecs qui venaient le voir, ils font, Alexandre, allez, une bonne grosse comédie, on veut des gags. Et lui fait, non. Ah bon? Ah. Mais alors par contre, si les gens n'ont pas vu Kaamelott, la série, est-ce que ça a posé problème ou... Ah bah oui, il faut avoir vu la série. Ah bon? Ah, on peut pas juste voir le film et bien rigoler? Ah non? Bon bah on retire nos billes. Allez hop, salut. Et donc c'est ça le problème, c'est pour ça qu'il a mis autant de temps, et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui ont été revues à la baisse sur la qualité du film, etc. Mais ne vous attendez pas à vous poiler de rire H24, ce n'est pas du tout le but d'Alexandre Astier. Dans ces trois films, il parle d'une épopée et de personnages qui évoluent, mais en aucun cas c'est du Mission Cléopâtre. C'est pas parce que ce sera pas drôle dans le texte que dans l'acting il y aura pas des situations qui seront burlesques qui seront avec du second degré, mais ce n'est pas Mission Cléopâtre, voilà. C'est pas l'objectif, mais c'est pas le but de faire des gags H24, c'est un peu sketch sur sketch. Bien sûr, tu le regardes, t'es en mode bon, et qui est incroyable. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, parce que justement moi, Astier, évidemment, il est pas que comédien, il sait faire énormément de choses, un grand pianiste, grand monsieur, c'est pas quelqu'un à la base, je pense, qui est dans le comique, tu vois, de base c'est ah si. Il est vachement dans le comique avec son acier. Ah bah pas que. Ça, ben non, mais tu non, prends sa que. Famille. Sa famille, ils ont monté une école. Oui, à Simon. Lyon. Non, mais pour moi, comme ils je vois. Ils sont passionnés de Molière et il te le dit. Le meilleur truc, par exemple, dans le comique, c'est pas de vouloir faire une vanne. Au contraire, Louis de Funès, par exemple, ne faisait jamais de vanne. C'est parce ça qu'il était dis. Très sérieux. C'est ça que c'était drôle. Mmh. Et c'est pour ça que là, dans le il amuse pas la galerie. C'est ça que je te dis. Mais bien sûr, exactement. Il amuse pas la galerie. Il est là pour raconter une histoire, une très belle histoire. Je l'imagine, mais. Attention, les grands fans Kaamelott, etc. Ça va être, je pense, extraordinaire ce qu'on va voir.
Mais les gens qui s'attendent à voir de la blague, de la blague, de la blague, vous allez être forcément déçus. Ça veut dire que ça ressemblera plus au dernier livre. Exactement, mais tout à fait. Mais parce qu'à la base, Alexandre Astier, quand il a fait Kaamelott, voulait faire le dernier livre, sauf que M6, quand ils ont acheté les droits de Exodus, ou je ne sais plus le nom de son premier... Désiré, pardon, j'ai des conneries. Ils ont dit, OK, mais sauf que vous remplacez Caméra Café, les gars. Ouais. Donc vous allez me faire au moins une, deux, trois saisons de poète, 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 et on en veut, et après, vous pourrez faire ce que vous voulez. Ce qu'il a fait dans le livre 5 et le livre 6. Oui, ce qui est beaucoup plus sérieux et beaucoup moins... Bien sûr, avec quand même de la vanne à l'intérieur, mais... On est quand même sur quelque chose de plus sérieux. C'est aussi parfois plus drôle. Enfin, enchaîner des blagues tout le temps, la scène de ménage, entre guillemets, hein, parce que c'est ça d'être en mode. Enfin, tu vois, genre dans son univers et avec une écriture qui est différente, évidemment, on va pas comparer. Mais c'est ce qui a un peu remplacé la télé par la suite, hein, les trucs scène de ménage, les machins. Scène de ménage, la petite histoire de France, tout les ça, trucs, les voisins, les machins, les trucs. Mais du coup, c'est vrai que c'est plus rigolo. Enfin, je trouve ça parfois plus fin et plus marrant de faire rigoler quand le ton est sérieux. Mais quand t'as tellement habitué avec exactement le même univers à faire du burlesque, burlesque et à faire du même sur du même. Bah forcément, c'est aussi pour ça que des gens ont moins aimé la fin, parce que c'était pas aussi raccord à ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils avaient toujours connu, mais qui n'était pas finalement ce que voulait faire Astier depuis le début. Mais c'est ce que, par exemple, dit Alexandre Astier, les phrases, c'est pas faux, des choses comme c'est ça. Mais il disait, mais jamais j'aurais cru que ça ferait des mèmes, c'est-à-dire que ce seraient des phrases cultes et autres. Quand moi, je les ai écrites, tu vois, basta. Et en fait, c'est devenu let's go, le gras c'est la vie, des choses comme ça. Voilà. Il a compris que l'humour, c'était... Le gras c'est la vie. Je vais pas te contredire. C'est pour ça que c'est un grand, ce qu'il a compris. Et l'humour, c'était pas jeu, le nez de clown et pot taché. Mais je vous conseille... Il y a plusieurs couches derrière. Mais je vous conseille de ouf de voir Que ma joie demeure, c'est un de ses spectacles. L'exoconférence, c'est oufissime. L'exoconférence, c'est très drôle. Là, tu peux pas dire qu'il est pas dans le comique. Très drôle. Il traite d'un sujet sérieux avec des vraies infos. C'est pas du tagalat tagalat. Oui, mais il est dans une ironie constante. Oui, mais fait que c'est drôle. Bien sûr, mais il est quand même dans un sérieux et c'est ça qui fait que c'est drôle. C'est un humour, c'est pas le comique. C'est pas pareil. C'est pas que je dis ça. Qui va y aller? Oh, je vais quand même y aller parce qu'il est là demain. J'irai pas tout seul, mais j'irai si je peux. Luti? Bah oui, moi je vais bientôt déménager. Je vais profiter de ma carte UGC avant de me casser. Donc là, je fais toutes les salles que je peux. Là, j'enchaîne. J'en ai fait 4 déjà des films au cinéma. Donc. Moi, je veux dire, j'attends que 2 films, c'est OSS et celui-là. Moi, ça fait des années que Kaamelott, je me saigne. Je suis un fan. Et je l'attends de pied ferme, ce film. Et je me battrai pour être dans le 2. Et oui. Hein, Alexandre? On place Samy. Si t'es là demain, tu fais genre, tu le rencontres aux toilettes. Non, mais je sais qu'il cherche des Irlandais, donc il y a peut-être un coup. mais voilà, c'est véridique. Donc non, bien sûr, j'irai même 2-3 fois sans doute, parce que je suis vraiment un gros fan de Kaamelott. J'adore. Et enfin, June. Je pense que j'irai aussi. Je rejoins un tout petit peu Genius dans le sens où moi, je regardais pas, je sais même plus sur quelle chaîne ça passait. W9, non. M6, M6 je regardais pas religieusement et tout, mais quand ça passait, petite barre de rire, etc. Donc j'ai pas énormément de rêves d'ailleurs. T'as pas de le lore, quoi. J'ai pas tout le lore, et d'ailleurs je n'ai pas vu tous les épisodes non plus. Je m'étais promis de le faire, donc là ce sera l'occasion, et puis j'irai voir le film. Très bien. Et Max, évidemment, toi. Oui, je vais y aller. Ne serait-ce que pour pouvoir ouvrir ma gueule, je vais quand même essayer de voir le truc, comme ça, au moins, je parlerai en connaissance de cause. Non, et puis même ne serait-ce que pour soutenir ce genre de film, de l'héroïque fantasy en France. Dernière fois qu'on en a fait, on remonte peut-être au Bossu ou à Cyrano de Bergerac. Donc c'est quand même, c'est bien de soutenir ce genre de film. Vous avez déjà été voir un spectacle d'Alexandre Astier? Ah bah moi oui, j'ai vu Ma joie demeure et l'exoconférence. L'exoconférence pas en live, mais l'exoconférence. C'était fou. J'ai vu à Londres. Oh là là, mais ça devait être fou. C'était intéressant. Ah, c'était intéressant. La fin de l'exoconférence. Avec première partie de Y penser. Oui, pareil. Nantes, il était là aussi. Tu parles du Bossu. Là, attention, un de mes films français préférés. Et tourné au Mans. Big up chez moi. Et chez toi. Allez. Chef d'œuvre. Bon, allez, on va finir par travailler avant de demain, le ciné, c'est 16h30. On en parlera dans le ciné demain. Et on touche celui-là. Et je m'étouffe. Tout va bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, demain, en plateau. Oui, le truc d'après, laisse-le à Luti. En plateau, demain, évidemment, qui est de retour avec un nouveau jeu. Nouveau jeu, nouvelle vidéo, évidemment, pour vous teaser tout ça. Rendez-vous à 14h30. Putain. Voilà. Vidéo. On va vous présenter un nouveau jeu. Ça s'appelle Red Rising. Et vous allez voir, il va falloir faire des combos. Red Rising est un jeu de combo de cartes. Pour gagner, vous devez emmagasiner dans votre main un maximum de cartes qui vont déclencher des cascades de points de victoire grâce à leur synergie. Quand une carte ne vous intéresse pas, il vous suffit de la jeter pour activer son pouvoir, puis de récupérer une autre carte à la place et de valider des objectifs. À la fin, celui qui aura les meilleures combinaisons l'emporte. Bon,
Combo, elle est belle. Combo Breaker. Un petit son récupéré, évidemment, de Killer Instinct, ça régale. Bref, fumé, ça, rendez-vous demain à 14h30. Luti. Eh bien, moi, du coup, on va parler un peu de jeux vidéo. Est-ce que vous aimez les ballons? Est-ce que vous aimez les voitures? Exceptionnel. L'association des deux est magnifique. Incroyable, en plus, tu peux voler. Donc oui, hier, grande journée pour la France, vu qu'il y avait 5 joueurs sur 6 français présents pour la grande finale des RLCS X Europe avec Vitality versus BDS, le match qu'on attendait le plus entre guillemets en termes d'affiche, même si Vitality n'a pas toujours été au sommet, contrairement à l'équipe BDS. Donc pour vous faire un petit topo, BDS c'est quelque chose comme 100% de win rate en tournoi majeur depuis genre 8 mois, quasiment un an, c'est insane. Genre vraiment le nombre de tournois majeurs qu'ils gagnent, c'est assez ahurissant. Ils sont aujourd'hui, quand tu compares les ligues américaines et européennes, la meilleure équipe en termes de scoring. Ils étaient qualifiés depuis le 3ème majeur, ils les ont quand même tous gagnés, ils sont hallucinants du coup. Une équipe de 3 joueurs, dont un joueur espagnol. Et cette équipe du coup BDS, on les attendait forcément très très chaud. Beaucoup de spécialistes avaient très peur que ce soit du coup 4-0-4-0. Pour faire un petit topo, du coup il faut gagner 2 BO7 pour gagner. D'accord. En gros, c'est 4 games égale, t'as gagné le premier BO. L'autre équipe peut réégaliser avec un 4-2 ou un 4-3. Et ensuite, il faut aller vers un dernier BO si besoin est. En l'occurrence, BDS s'est fait 4-0 sur le premier, le premier BO. Ah ouais. Ce qui était complètement inattendu. On parlait tout à l'heure de pronostics. Il y aurait des pronostics, ça aurait été la folie. Et ensuite, ils n'ont pas réussi à revenir malheureusement non plus. Ils ont perdu par la suite 4-3, si je ne dis pas de bêtises. Wow, par la suite, avec ce but ahurissant de Alpha 54. Chaque fois ça me on fait. Pensait qu'il allait faire une passe, mais pas du tout. Il s'est fait une passe tout seul et a surpris toute la défense, notamment Marc Bayet, ici le joueur espagnol, qui s'est fait avoir. Pourtant, énorme niveau du côté de la team BDS. Mais voilà, ça fait un petit peu tâche quand Extra, Monkey Moon et Marc, ils ont tout gagné tout le temps. Et que le dernier tournoi de l'année, qui est censé être les Worlds, entre guillemets, vu que ça a été remplacé, est remporté par l'équipe adverse. Donc voilà, ici, il fallait absolument pas que. Donc on nous remontre un peu le play. Tu peux enchaîner, je crois, avec le play suivant. Propre, hein. Ouais. Le mode spec est automatique, dis-toi. C'est quand même un jeu de ouf. Ils ont quasiment pas besoin d'ops, en fait. Ils appuient sur un bouton. Tu captures l'écran. En fait, il y a un mode ops in-game, et ensuite, eux, ils ont des réals avec quand même 2-3 gars. Il y en a un qui gagne qui tente de changer de temps en temps, mais par rapport à beaucoup beaucoup d'autres jeux, c'est très peu. Et là on voit la fin du coup avec ce ballon qui touche le sol et qui permet à Vitality de l'emporter. Vitality qui, on le rappelle, sont en bootcamp depuis quelques jours au Stade de France. Comme beaucoup de joueurs Vitality, à chaque fois qu'il y a des gros tournois, ils vont bootcamp au Stade de France. Et du coup, victoire avec les images sur place qui ont été présentes sur TikTok, sur Twitter. Ils ont même ouvert une bouteille de champagne à l'intérieur. Bref, un peu reborn côté Vitality, ouais. Parce qu'ils avaient perdu beaucoup, eux, de tournois en demi-finale. Enfin, ils avaient fait des top 4, ils avaient un peu déçu entre guillemets sur l'année. Mais voilà, au bout du bout, c'est bel et bien eux qui, dans les moments importants, qui viennent l'emporter. Combien de viewers en France? 15 000. Ah ouais, 15 000 ici. 30 000 ici, c'est faux 2 quand même. Oui, j'aurais bien dit 30. Hein. Oui, ouais, c'est ça. 34 viewers du coup chez les potes de Rocket Baguette avec les casteurs qui étaient sur place. Et ça aussi, gros big up à eux évidemment, parce que c'est pas toujours qu'on a les casteurs de Rocket League sur place. Ils ont l'habitude de le faire à distance et ça change pas mal. Il y avait un des deux qui était, c'était pas lui qui était à l'UNICEF là. Il y avait Fury, il y avait Rasmeltor. Ils étaient là. Rasmeltor qui était là. Mais voilà, il y avait plein d'autres gens. Il y avait Bashi, il y avait Life is Cool. Et là, on revoit du coup, c'est le monsieur BDS Latour, donc c'est le patron de BDS qui est là en mode mais n'oubliez pas quand même que BDS c'est ça. Et qui remet ça. Du coup ce fameux tweet, tu peux le remettre avec toutes les premières places, regardez-moi ça, c'est quand même assez ahurissant. Et à chaque fois quand vous voyez RLCS, c'est que c'est officiel. Donc autant te dire que BDS a été vraiment l'une des meilleures équipes de l'histoire de Rocket League. La meilleure. Donc, en sachant que je crois qu'un des joueurs a eu son bac cette année aussi. Oui, donc en plus, il est bon partout. Voilà. Quoi. C'est ça, les mecs sont assez monumentales. Par la suite, un peu moins. Ça va, il n'a pas fini dernier. Il met ce tweet en mode oh, je suis quand même fier de mes petits pour toute leur victoire. Gros, t'as juste un 2 à un moment donné. Ça me fait penser un peu à GO, où ça aurait pu faire penser à la Carmine ou à d'autres équipes en règle générale. C'est pas le cas encore de la Carmine, mais c'est tu fais premier toute l'année, tu fais des grosses performances, et au moment où il y a le majeur qui dit c'est les championnats, alors qu'il y a eu des championnats tous les mois, et qu'on dit c'est celui-là, tu le perds en finale, c'est relou, tu vois. Ouais, c'est un peu piquant. C'est pas le moment où tu voulais avoir une petite une petite erreur entre guillemets. Mais du coup, la BDS et Vitality, c'est il y a un moment où il va y avoir les RLCS World. Du coup, ça a été annoncé par la suite. Il faudra aller voir les VOD si vous voulez de Rocket Baguette. Ils expliquent un petit peu tout le concept de l'an prochain. Mais oui, évidemment, il va y avoir des Worlds, mais ils attendaient avec le Covid. Et donc, du coup, cette année, ils ont un peu cancel, ce qui est dommage. Je pense qu'on aurait pu quand même faire à huis clos les 4 meilleures équipes de chaque région pour qu'ils se rencontrent. Mais bon, voilà, Psyonix et Epic n'ont pas voulu se mouiller. Question rapide, le meilleur joueur, pour me tenir en actu, toi, tu sais, le meilleur joueur du monde, est-ce que c'est un Français, un Euro ou c'est un. C'est peut-être lui. On voit juste après, justement, tu peux mettre le play Alpha de Energy contre Space Mountain. En tout cas, c'est clairement dans ces 6-là. Mais voilà, Gareth G qui va faire son move ici. Regardez le flip reset, il touche les 4. Et hop, il remet un petit coup au dernier moment pour Energy, du coup, qui sort un flip reset des enfers. Donc c'est Energy qui a gagné côté NA. Regardez ici ce contrôle de balle.
là il touche les 4 roues et du coup il réactive son flic pour surprendre tout le monde et pour mettre un bus complètement ahurissant. Mec, mais... Donc ouais, tu peux mettre des Garrett G, tu peux mettre des Justin aussi, mais en vérité, honnêtement, les 5 Français et Marc Bayet, donc les 6 joueurs européens, peuvent rentrer dans le top 15 mondial assez facilement de joueurs. Après voilà, Rocket League reste aussi un jeu d'équipe, donc t'as peut-être parfois des pépites dans des équipes mais qui n'ont pas les teammates qui suivent. Et puis ce qu'il faut savoir aussi avec Rocket League, c'est qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de très très bons joueurs qui ont 14 ans. Et donc du coup, bah, hâte de voir ce que ça va donner dans quelques années. Quoi. Ah, mais ce qu'on vient de voir, mec, c'est... Ah bah, c'était pas nous à le Bon, on a quand même gagné avec avec Jumper. Mais... Non, ils font pas la même chose que Jack, c'est dur juste de monter, de jouer rien. Le mec, carrément, mais il contrôle en l'air le truc, ça me... Et en fait, ça ce qui est ouf, c'est qu'ils ont quasiment jamais changé la mécanique et les règles du jeu. Et en fait, dans les premiers... tu sais, les premiers teasers des RLCS, c'est vraiment des mecs au sol ou un mec qui fait un saut et qui va tout droit. Et en fait, quand tu regardes les finales des premières saisons, bah, ouais, c'est quasiment mon niveau de jeu avec 250 heures de jeu, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, il continue de progresser constamment et jusqu'au point où on ne sait pas où ça va aller. On ne sait pas jusqu'à... Tu vois, le flip reset, ils n'y avaient quasiment même pas pensé à la base. Ah ouais, pouvoir toucher avec les 4 roues, la balle qui est suffisamment grande pour pouvoir reset. Et en vrai, ils inventent des moves tous les jours et surtout là où ça s'est beaucoup développé dans les techniques individuelles, c'est en train de se développer avec le jeu d'équipe. Ouais. Et c'est ça qui est ultra intéressant. En Europe, on a un vrai jeu de passe. Et finalement, bah, y a des équipes qui sont moins fortes mécaniquement parlant et purement parlant, comme Atlantide Wave, mais qui ont gagné des grosses équipes parce que c'est un circuit un peu ouvert, en faisant juste des passes, des passes, des passes, des passes. Alors que d'habitude, on a l'habitude de... On avait une méta, en fait. Y a des envoyer la sauce vers le but et salut. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, c'est assez impressionnant de voir comment ça évolue. Et puis, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans les prochaines années. On parle de musique maintenant. Oui, tu peux mettre le lien que Maxildan avait mis. Je crois que j'ai plus ou moins le même. Mais en effet, incroyable André Manoukian, mesdames et messieurs. Donc, vous le connaissez sans doute si vous êtes comme nous des boomers et que vous êtes nés dans les années 90-2000. Et qui, du coup, jury. Alors, évidemment, un grand pianiste. Nous, on l'a connu. Enfin, moi, je l'ai connu d'abord en jury de la Nouvelle Star. Et du coup, pour le dimanche soir, donc si vous ne le savez pas non plus, Trivia, tous les dimanches soirs, elle chante. Donc voilà, elle fait son karaoké à la maison, maintenant qu'il n'y a plus Twitch Things. Et là, du coup, bah, elle a été invitée par André Manoukian, chez lui, pour chanter avec lui au piano. Donc lui, il est au piano, il improvise, il fait des chansons qu'il connaît, mais il joue aussi dans un tempo d'improvisation pure. Et de l'autre côté, on a Little Big Whale. Je vous laisse écouter. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Pour le petit. Donc voilà, ça a été ça toute la soirée, évidemment. En plus, ils sont trop choupis les deux, ils sont trop mignons, vraiment. Il faut savoir qu'elle est pareille dans la vraie vie, mais elle dégage vraiment une... Ah, Trivia, ouais. Elle dégage une sympathie, une honnêteté et tout. Et elle est comme ça, donc c'est assez... c'est assez marrant de la voir aussi pouvoir s'éclater comme ça avec André Manoukian. C'était entre guillemets aussi un lancement de scène malin pour André Manoukian, si on parle purement marketing bêtement et méchant, mais c'était aussi une belle entrée en matière, je trouve, pour encore une fois cette fameuse croisée des mondes où on se dit waouh, c'est dingue pour nous d'avoir André Manoukian, d'avoir... Alors, je vais pas le comparer à Neymar non plus, mais j'ai eu ce débat ce matin, Neymar qui était chez Gotaga, genre de choses. Et c'est vrai qu'en fait Twitch est aujourd'hui de plus en plus rayonnant, même si on fait quand même... Ah, effectivement, c'est vrai que je t'entends plus, gros. D'un coup, piles. C'est peut-être un problème de batterie. Ouais. Les piles. Ah, je vais pas te donner les miennes si je suis baisé, mais on va t'en donner tout de suite. Regarde, hop là, le micro main qui pop et c'est parti. Oh, c'est beau. Et le problème, c'est que tu parles trop, Luigi. Voilà, c'est ça. Non, mais je sais que ça. C'est un causeur. Mais donc, du coup, en vrai, cool. En vrai, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Est-ce que ça vous... Qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez ce genre de... Ah, attendez, je veux juste vérifier. C'est bon, on entend Uti. Parfait. Ok, c'est merveilleux, tu peux y aller. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup, de moi, ce genre de... J'ai hâte de voir le replay, parce que malheureusement, on jouait, donc on n'a pas pu voir cette émission. Mais moi, je suis toujours ravi de voir que, comme tu disais, les mondes se croisent. C'est-à-dire que Twitch, on nous a toujours dit que Twitch était un milieu de niche, que c'était que pour les jeunes, qu'à un moment donné, on n'était que des jeux vidéo, etc. Et en fait, on voit que finalement, le monde extérieur s'intéresse à nous de plus en plus. Alexandre Astier demain ici, André Manoukian hier chez Trivia. Et c'est surtout que voilà, c'est amené en fait de la bonne manière. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'a fait Trivia là n'est pas un coup de pub. Au contraire, ça a été vraiment un partage, un vrai moment de douceur, c'est-à-dire que il y avait rien à vendre derrière. Tu vois, moi c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que quand il y a pas, on sent pas le pognon, tu vois, on sent juste le plaisir et le kiff. C'est vrai ça. Et ce qu'a fait Trivia hier était sûrement exceptionnel. Je n'ai toujours pas vu, j'irai voir le replay avec très grand plaisir, et j'espère qu'il y aura d'autres actions chez d'autres personnes de cet acabit.
Vous en pensez quoi, vous les... Moi, je suis d'accord, surtout quand c'est, bon, voilà, quand c'est fait par Manoukian et par Trivia, et quand c'est fait avec de l'art aussi au milieu, ça change pas mal de choses, que c'est pas un placement de produit, entre guillemets, non plus, comme tu dis, il n'y a rien à vendre, à part le média de Manoukian qui fera peut-être 2-3 trucs, mais qui, à mon avis, pourra faire des trucs assez pédagogiques, et je pense que c'est quelqu'un qui peut trouver sa place aussi et son public. C'était fou, hein. Moi, j'ai regardé un petit peu, c'était vraiment la folie, ça chantait super bien. D'ailleurs, elle a même été approuvée, tu sais, il lui a dit... Et ça aurait été il y a quelques années, je t'aurais mis 4 bleus, tu vois. Elle ah, c'est trop gentil. Donc ça faisait plaisir. Mais ouais, vous en pensez quoi, ouais, Jump, The News J'allais dire, ouais, c'est trop bien. On ne peut pas ne pas aimer le fait que, justement, il y a cette croisée des mondes sur Twitch. Mais pas que sur Twitch, hein. On l'avait vu, Zoulou, récemment, qui a fait une vidéo avec Griezmann et tout. Enfin, c'est trop bien. Et surtout, ça intéresse les gens de... d'avoir cet aspect un petit peu plus personnel. Tu vois, quand t'as quelqu'un qui est connu... parce que tu l'as vu à la télé ou parce qu'il a fait des spectacles ou parce qu'il joue très bien dans son sport et que là, tu l'as dans un cercle où c'est un peu plus fermé, où tu peux en apprendre vraiment sur la personne parce que justement, il n'y a pas d'enjeu derrière comme là, c'était le cas avec Manoukian où il n'y avait pas une OP ou quelque chose comme ça. C'est génial. Les gens ils adorent et je comprends. En vrai, c'est trop bien. Franchement, c'est trop, trop bien. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Bon, déjà, chanson, piano, tout ça sur Twitch, c'est génial. Et comme tu dis un petit peu, Ted, c'est quand c'est fait par curiosité et pas par intérêt. Et franchement, c'est super, la croisée des mondes. Et comme tu dis, les personnalités qui sont d'habitude peut-être un peu plus formatées, ou ils sont obligés d'être formatés pour ce qui passe à la télé, tout ça, là, on les redécouvre un petit peu, plus nature. Vraiment, comme je dis, Manoukian, bon, Manoukian, lui, il a toujours été comme chez lui à la télé ou quoi que ce soit. Mais je pense que certaines personnalités, on les redécouvre sur Twitch. Et ça va leur donner envie à eux de continuer de faire d'autres contenus sur Twitch avec d'autres streamers. Et puis pour nous, c'est toujours bien. Je pense que voilà, c'est... Ce qui est intéressant, c'est quand tu vois l'histoire se créer. Et que tu vois un petit peu ce qui se passe, puisque en gros, souvent, quand on a des gens qui sont particulièrement connus, soit de la télé, du cinéma ou de peu importe le média finalement, quand ils finissent par s'intéresser à Twitch, c'est soit parce qu'il y a une OP, soit parce qu'ils ont un besoin de toucher des jeunes, en général. Ouais. Quand ça sort de ce cadre-là, il ne faut pas changer de contexte, hein, toucher des jeunes spectateurs. Bien sûr, vous vous doutez bien. Une audience. Et quand ça sort de ce cadre-là et que effectivement c'est juste pour partager, par curiosité ou pour kiffer, bon bah là c'est d'autant plus impressionnant, intéressant. Voilà, il y a un vrai mélange qui se fait et c'est assez cool. Je ne sais pas dans quel cadre. Trivia et André se sont connus, trouvés, mais ce serait intéressant parce que le truc c'est que finalement on peut juger que le live était cool, après on ne peut pas savoir quelles sont les intentions derrière si on ne sait pas comment ça s'est fait, donc pour le moment on est juste en mode c'était cool, on verra. Voilà. Non, c'est pas... Et puis franchement en vrai, alors, je ne sais pas quels sont les rêves autres de Trivia, mais si elle aime vraiment la musique, si elle est passionnée, elle chante bien, ça peut vraiment peut-être amener à... Ah bah si ça l'amène, si ça lui ouvre des portes, c'est cool. Ouais. Elle, elle a été sur Energy il n'y a pas très longtemps. Oui, ça, elle a été invitée pour l'émission de Braque. C'est incroyable qu'elle devienne la première streameuse chanteuse réellement, tu vois. Ouais. Mais surtout au-delà qu'elle a une voix vraiment passion, de ouf. Hein. Mais oui, parce que Manoukian lui dit... Ouais. J'imagine que Manoukian, tu vois, il se dit pas bon, c'est cool, t'as fait un karaoké, viens, on fait une vidéo. Je pense que Trivia a un vrai don, un vrai talent. Il a déjà produit. Ce serait dingue qu'elle nous fasse un... Ne serait-ce pas forcément un single, mais un EP, tu vois, un truc de 3-4 sons. Ce serait, je pense, hyper intéressant et très valorisant aussi pour notre milieu de dire que bah, nous ne sommes pas que des jeunes geeks, c'est-à-dire enfermés chez nous, pas du tout ouverts sur le monde, etc. Bien au contraire, on est là aussi pour offrir un peu de bonheur aux gens, etc. Et puis, on est le premier média, entre guillemets, qui, c'est pas forcément le cas sur ce genre d'émission, mais qui, en tout cas, en live perso et en live à la maison, bah, montre, et t'en parlais justement, à la fois l'intimité mais aussi la proximité, et il y a vraiment des gens qui vivent parfois à travers toi par procuration et qui t'envoient des messages parce qu'ils vont mieux grâce à ta bonne humeur quotidienne. C'est finalement quelque chose que les médias traditionnels perdent de plus en plus, et tu te sens parfois très très éloigné finalement du présentateur, d'un influenceur comme un gars qui va te dire un jeu concours maintenant à gagner chez vous, tu vois. C'est évidemment très différent. Envoyez foot de 10-33-33 pour gagner 150 000 euros. Et finalement redécouvrir ces personnalités là dans un lieu beaucoup plus intimiste, comme on l'a vu avec Samuel Etienne, qui l'a montré très bien avec un ex-président quand même, et honnêtement on ne voit plus, on ne le voit plus. Oui, c'est vrai. Qu'on ne voit Samuel plus Etienne en pose, il a pris question pour un champion, il bosse après. Il en a pas besoin, donc j'imagine que prendre une pause c'est aussi bien parfois. Mais tu vois, par exemple,
pour moi, il a dit qu'il avait moins le temps en ce moment parce qu'il préparait beaucoup d'émissions. On est sur le contre-exemple parfait. Enfin, je suis désolé. Hein. Quand il me fait ramener Blanquer sur Twitch, je suis désolé. Là, tu te dis, bah non, on n'est plus du tout dans la même démarche que par exemple un étudiant qui contacte Trivia. Blanquer, il vient chez lui, c'est juste pour toucher les jeunes. Et moi, à un moment donné, bon, là, on va rentrer peut-être dans on un débat. On a déjà eu ce débat. Voilà, mais moi, j'étais pas là. Mais ça casse les couilles. Il reste 20 minutes. On est pas, parce qu'on est pas des vaches à lait, bordel. Oui, mais du coup, c'est, tu vois, c'est comme quoi, c'est, on comprend que c'est de la proximité et du coup, ça peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Quoi. Mais après, finalement, c'est pas très grave puisque à partir du moment où ça se voit. Bah les mecs ratent, parce qu'en fait ils tentent un truc, puis en fait ils nous prennent pour des cons, et puis on grille, on est en mode bah non, nul, et puis ils se font chier dessus et ça devient de la contre-com. Regarde McFly Carito qui font Macron, il y a des gamins qui ont mis super, c'est génial, et bientôt ils vont avoir le droit de vote. Je ne voudrais pas qu'il y ait quelqu'un qui se dise oh cool, comme la vidéo était sympa, bah, je vais voter pour lui. Tu fais mais non, putain, c'est pas notre vocation, tu vois. Écoute, pour le moment, c'est pour l'instant, les jeunes ne vont juste pas voter. Les gens ne vont juste pas voter, ouais, hein, 65% d'abstention. C'est que 80% d'abstention. C'est vrai que personne n'en a parlé ce week-end, personne. Qui est allé voter d'ailleurs? Je suis même pas inscrit sur la liste électorale puisque je l'étais quand j'étais jeune sur ma ville de base et je n'ai après on est parti en Angleterre, on est rentré à Paris et depuis que je suis à Paris j'ai pas fait les démarches. Alors que moi j'étais en mode, je vais déménager dans 4 mois, niquez-vous Paris, c'est genre je me casse. Après attends, on peut pas dire non plus aux gens de ne pas voter, enfin. Ah mais non, c'est bien pas sûr. Ouais, c'est voilà. Juste, bah non. Mais parce qu'on est quand même sur combien là, sur 5, on est un seul qui a voté. Tu n'es pas allé voter, Julius? Non, normalement je vais voter mais j'ai pas pu. Tu l'as pas fait par procuration? Tout le monde a un bon exemple. Tout le monde a une. Non, parce que j'étais en émission. Ah, ben bah tu fais une procuration. Excuse-moi, t'es en émission de quelle heure à quelle heure? De 14 à 20h30. Voilà, les bureaux de vote, ils sont ouverts de quelle heure à quelle heure? 14 à 20h30. Pour une chèvre, c'est non, en fait, j'ai oublié. T'as oublié, t'as pas envie. Je prends des chiens et je passe dans l'école, je dis c'est ouvert. T'as pas justifié, y a pas de problème. Je juge, ne mens pas, putain. Que je garde, ça c'est. Non, mais par contre, d'habitude, j'y vais tout le temps, c'est que je tiens à préciser. Mais bon, là, les gens font comme ils veulent. Hein. Table Quest. Oui, bah du coup, je savais pas que t'allais être parmi nous parce que je pensais qu'on était avec Zaz. Bah, j'ai deux petits clips de Table Quest. Tu peux envoyer le premier, je sais plus ce que c'est. Le deuxième, je m'en rappelle un petit peu, mais vas-y. C'est pas terrible comme slogan. Oui, c'est pas très vendeur. Peut-être le décathlon local. En tant que... Peut-être la tuer avec une grosse endurance derrière cette porte. Non. Je peux se relever. Ça a l'air d'être une épreuve en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière la porte, Trauma? Du coup, je peux leur dire ce que... Tu peux dire ce qu'il y a derrière la porte. Bah écoutez les amis, je suis très surpris, j'ai l'impression qu'il tourne un film de culte. Mais c'est impossible! Quel sale gueule, évidemment, il peut pas s'empêcher de lancer des jeux de mouvement. Il lui met une beigne. Non, point d'inspiration, j'avoue. Point d'inspiration. Oui, bien sûr. Mais ensuite, on a Ted sur le film suivant, qui est juste le boss. Il me fatigue. C'est quoi après? T'es juste le boss, je crois que c'est Ted le bagarreur, je crois. Qu'est-ce que t'as fait? Mon cher Ted, Hook. Et eh ben moi, j'ai gagné comme don bagarreur des tavernes, c'est-à-dire que tout ce qui me passe sous la main devient une arme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je peux me servir de tout objet pour faire du mal. Les nains aussi. Absolument. Attrapé par un mollet. Bon, par contre, tu m'attrapes par le mollet cette fois, pas par la chaussure. Hein, parce on va essayer de s'organiser. Donc voilà, j'avais envie de faire une soirée avec toi dans la cave jusqu'à ce que j'apprenne que tu pouvais utiliser tout n'importe quoi comme arme, donc je n'irai plus mon cher Ted. Est-ce que vous connaissez un groupe mythique en trois lettres que franchement... Kyo. Oh là là, il est trop fort. C'est ça? Ouais. C'est pas mythique, mais je connais. C'est mythique, Kyo, ça va, ouais. C'est con parce que c'est mythique. C'était bien parti, hein. C'est ce soir, tu vas te mettre des gens méchants, hein. Tu vas faire gaffe. Pas du tout, j'aime bien. Ah voilà. Ouais, c'est pas mythique, mais j'aime bien. Le concert sorti Covid, si c'était Kyo, j'y étais. Hein. Non, mais c'est mythique pour beaucoup de gens, pas pour moi, mais c'est trois lettres. Pourquoi il s'appelle Kyo? Eh ben, regarde. Ben, c'est Samurai Deeper Kyo. Ouais. Et ben voilà. Nous sommes. Voilà, il y a un nouveau single qui va être fait par, tout simplement par les gens de Kyo, qui s'appelle Mon Époque. Donc je ne sais pas du tout si on a le son ou pas du tout. Bah, de toute façon, DMC. Mais je ne sais pas si le son sort ou quoi. Je crois que c'est le 25 juin. Donc voilà, j'ai trouvé l'info assez rigolote sur mon Twitter. Je me suis dit, je voulais partager. Peut-être que ça allait en faire bouger une sans faire bouger l'autre. Mais... Je les vois quand même continuer à faire de la musique pour ados, entre guillemets. Enfin, en tout cas, quand j'écoute, c'est ça le son qui me parvient aux oreilles, tu vois. Et alors on va me dire, mais c'est quoi de la musique pour ados? Et vous aurez raison, d'accord. Mais tu vois, du rock. Est-ce que c'était pas une musique pour toi qui étais ado? Du rock un peu gentil, on parle d'histoires d'amour qui se sont mal passées, machin, voilà. Et je suis en mode, bon les gars, vous savez quel âge? Est-ce qu'il y a un moment donné où on se dit. En fait, t'as ceux qui vont dire, bah non, je veux que Kyo continue à faire du Kyo. Et moi, je me dis, tiens, j'aimerais bien aller voir évoluer, faire autre chose, tu vois.
Mais attends, ils ont déjà fait plein d'autres trucs dans leur vie, puisqu'ils ont arrêté Kyo, ils ont fait, c'est quoi, Empereur, je crois. Mais voilà, c'est juste, j'ai l'impression qu'ils sont en mode, bon, en fait, ça marchait, on va recommencer. Voilà, on fait un peu de billets, c'est toujours intéressant. C'est toujours la question, est-ce qu'ils le font vraiment par plaisir ou est-ce qu'ils le font parce que ça c'est la question que je me pose, c'était mon propos. Je vais les appeler, bouge pas. Voilà, si tu peux avoir la réponse. Oui, bien sûr. Et du coup, le dernier tweet, c'était le film de Hit the Road, du coup, le duo qui a gagné d'ailleurs, on en a même pas parlé, de l'échappée hier. Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est eux qui ont gagné tous les deux. Non, je te reprends après l'émission, ouais. Ok, ok. du coup, ils ont... pendant que c'était les boss et qu'ils ont gagné Hit the Road, samedi soir au Grand Rex, je crois, si je dis pas de bêtises, ils ont dévoilé en avant-première leur film court-métrage. Je sais pas exactement comment c'était. C'était un documentaire film au Grand Rex. Donc, Funka et toute la bande y étaient. Et apparemment, c'était vraiment une oméga dinguerie. Voilà, si se nommait Funka Alexandre, qui nous partage ses sentiments. Donc, du coup, hâte de voir ça. Je crois que ça sort également le 25. Si je dis pas de bêtises, ou alors la fin du mois de juin, ce sera disponible sur Vimeo On Demand. Tiens donc, je ne savais pas que ça existait. C'est encore en vie. Mais voilà, en tout cas, je vous invite à aller voir ça parce que Hit the Road font des très très bonnes vidéos. Au-delà d'être de très bons cyclistes, et en plus de ça, apparemment, le documentaire est ahurissant. Voilà. Oh, tu t'as régalé. On va continuer avec Ted, si vous le voulez bien. Ah bah alors, avec plaisir. On va commencer par quoi? Eh bien, on est dans le thème de la musique. Allez hop, c'est parti. Musique, les copains, après avoir parlé des vieilles charrues la dernière fois, eh bien, j'aimerais vous faire un petit tour d'horizon des festivals qui, finalement, ont aussi validé le fait que, eh bien oui, il y aurait bien... une saison également chez eux. Donc là, on va se faire un petit melting pot. Prenez des notes, regardez un petit peu qui passe où, même si finalement, vous allez voir que les mêmes passent très souvent au même endroit. Donc on commence très rapidement par les printemps de Bourges, voilà, qui auront donc lieu du 22 au 27 juin. Autant vous dire que c'est là maintenant, tout de suite presque. Courez acheter vos billets. Donc il y aura entre autres Philippe Catherine, Trio, Pomme. Écoutez bien le mot Pomme, parce que vous allez beaucoup l'entendre. Voilà, Alain Souchon sera là, donc tout ça, voilà, à travers bien 6 soirées un peu, donc vous avez le choix. Il y a Tellier le vendredi là, ça régale. Bastien Tellier, Catherine Ringer, j'aime bien aussi. Moi j'aime beaucoup la dernière soirée, Alain Souchon Trio. Ouais. Bon, Souchon c'est pour Trio, par contre j'aime bien. Voilà, c'est mon côté Sarwell, voilà. Les années étudiantes sociales, voilà, Trio. Alors ensuite on enchaîne avec Poupée, voilà, qui aura lieu cette année du 1er au 17 juillet, voilà, le festival de Poupée. Donc, comme je l'ai dit, Vianney, Jean-Louis Aubert, Pomme, Grand Corps Malade, Boulevard Désert, Trio, Alain Souchon, Philippe Catherine. Les mecs font la tournée des Grands-Ducs. Ils prennent un camtar et ils roulent tout ça. C'est terrible. C'est toujours les mêmes. En même temps, ça paraît... Bien sûr, c'est ceux qui sont le plus en manque, j'ai envie de te dire. C'est parce que les endroits, voilà, sont moultes et diverses. Tout le monde n'a pas l'occasion de bouger à droite à gauche. Donc, c'est eux qui viennent directement à la maison. Bien sûr, les Vieilles Charrues, donc du 8 au 18 juillet. Il y a Terre de Son également, du 9 au 14 juillet. Les Vieilles Charrues, c'est du 8 au 18 juillet. C'est 10 jours encore. C'est 10 jours. Bien sûr, 10 jours, les Charrues ont toujours été 10 jours. C'est 120 jours. Et donc là, Terre de Son. Alors, petite nouveauté, on retrouve Ayam. Et Pomme, voilà. Les gars sont là, Grand Corps Malade. Pomme, elle est là, elle aussi. Sébastien Tellier. Elle ne nous quitte plus, dis donc. Mais voilà. Tu peux me citer une chanson de Pomme? Absolument pas. Moi, je me suis jamais vanté de connaître le travail de Pomme, attention. Elle chante bien. Mais il parle de vache, elle chante très, très bien. Sinon, elle serait pas là. Mais c'est vrai qu'effectivement, elle est pas. Bien sûr, de toute façon, on a toujours des têtes de gondole. En plus, ça fait longtemps que. Il y a très longtemps, je l'ai vu sur la chaîne de PV Nova. Oui, c'est ça. Et Wax, c'est ça. Avec Wax, ouais, sans doute. Oui, ou c'était peut-être la chaîne de Wax, effectivement. Et putain, ça date. Et en fait, on n'entendait pas du tout parler d'elle à l'époque. Et aujourd'hui. Ça explose de partout. C'est le boulevard, évidemment. C'est clair. Alors, la petite nouveauté, attention. Nous allons parler des Francofolies, voilà, de La Rochelle, du 10 au 14 juillet. Trop bien, Francofolies. Extension, la programmation est incroyable. Alain Souchon, Jean-Louis Aubert. Non, mais non. Claudio Capello, Grand Corps Malade. Il n'y a pas Pomme, elle n'est pas là. Et elle ressort des tombes. Comment ça, Pomme n'est pas là? Je suis très déçu. Pomme ne pouvait pas tout faire. Elle revient bien. J'ai l'impression que sa dernière musique, là, tu sais, qui est passée notamment pour le pub de voiture. Je vais rentrer tard. Je vais rentrer très très tard. Non, tu n'es pas vu. Non, tu vas me faire une invitation. Non. Ça va chanter. Il était prêt. C'est ma show. Non, du coup. J'assure qu'elle revient sur le devant de la scène, notamment grâce à cette musique. Je crois qu'Yael est très connue dans d'autres pays et qu'elle revient en France. Je crois que c'est ça. Elle a buzzé de ouf dans le pays de l'Est.
Ouais, ouais. Et deux derniers festivals qui sont un peu parisiens et qui n'ont pas encore de programmation. Pourtant, ils sont très, très proches. Il y a bien sûr les Solidays qui auront lieu le 4 juillet. Très important, les Solidays. Voilà, on soutient SIDAction. Et en plus, Solidays, cette année, fait un appel aux études, enfin, aux aides-soignants, aux soignants qui ont, pendant la période du Covid. Pour eux, c'est gratuit cette année. Il faut s'inscrire jusqu'à demain. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain. Voilà, pour pouvoir eh bien, profiter de ce billet gratuit si vous êtes soignant ou autre. Allez vous éclater en festoche, c'est cadeau. C'est les Solidays. C'est toujours à Longchamp ? C'est toujours, bien sûr, à Longchamp. Ça n'a jamais bougé. Les gars, ils sont. Ils ont trouvé un terre-terre, ils sont bien. Ils ne bougent pas. Et les seuls, par contre, qui vont bouger un peu au niveau des dates, c'est le fameux We Love Green, qui d'habitude a lieu en juillet. Et là, cette fois, non, il aura lieu en septembre, du 10 au 12 septembre. La programmation n'est pas donnée. Mais en tout cas, c'était pour vous dire que l'été ne sera pas sans morose. Festoche. Exactement. Le Hellfest a déjà commencé également à annoncer sa programmation pour 2022. Ils ont une prog. On touche la stratosphère. Les mecs ont été punis 2 ans. Ils ont dit, alors, vous voulez jouer ? Autant là, vous que tu viens ça. De me montrer, j'avoue, je décolle pas sur, je décolle pas. Autant le Hellfest. Bah, on a tous hâte que le Hellfest revienne, sachant qu'on se rappelle de la douille incroyable que le Hellfest avait pris au moment du Covid. C'était le premier festival à souffrir du fait que, oui, on annule un festival, ok, mais ça tombe bien, on s'en fout, on a les assurances. Ah non, 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 vous aviez pas vu le petit astérix du petit doigt dans le fessier, ou si c'est une pandémie, vous l'avez dans l'os. Ah merde, et pourtant, on payait 120 000 balles par mois, par an. Ah bah c'est tant pis, c'est perdu. Voilà, ouais. Donc le Hellfest a énormément perdu de pognon, donc n'hésitez pas, les copains, également, à re-soutenir le Hellfest. Cela dit, ils ont une petite douille aussi de prévu, c'est-à-dire que sur les ouvertures de précommande, enfin de réservation, ceux qui avaient un billet sur les sessions précédentes sont priorisés. Oui. Ça, genre, ils peuvent prendre une journée plus tôt. Bah après, du coup, ça gueule un peu. Ouais, mais c'est une douille, ça doit être une douille en vrai. Hein. C'est aussi ça aurait gueulé dans l'autre sens s'il y avait pas eu d'avantage aux gens qui avaient eu les places et qui n'étaient pas allés. Les gens ne sont jamais contents. Je donne juste l'info. Il y aura Kyo au Hellfest ? Hellfest, mais déjà t'as Metallica, ouais, il y a Kyo, je pense. Ah, y a Metallica. J'ai fait Metallica au Stade de France, c'était pas mal. C'est vrai, t'as qui d'autre? T'as Metallica, ma gueule. Non mais il y a vraiment. Tu sais que j'ai fait au Stade de France il y a pas si longtemps, ils sont vieux, mais c'était bien. Bah ouais. Même vieux, je sais plus en tête. J'ai vu Metallica, j'ai bugué. Mais il y a Scorpion, non? Il y a Scorpion. Il y a vraiment très vieux. Scorpion, le meilleur du game, Scorpion. Ils ont plus le dark. C'est juste le Scorpion, c'est que le. Si on va trouver la prog, évidemment, il y a pas de souci. Metallica, Hellfest 2022. On trouve ça rapidement. Il y a Guns N' Roses aussi, ouais, c'est vrai. Ah ouais, non mais gros. Non mais c'est incroyable. Le Hellfest cette année, ce qu'ils vont faire, ça va être fou. Ah tiens, il y a rien de ça. Voilà, merci. Il y a Deep Purple, c'est ça. Il y a Nightwish, il y a Epica. Oh là là. Là, prenez-en plein les yeux, les gens. Ça vaut le coup d'y aller. Là, je vous le dis, c'est cadeau. Sépultura. Je sais pas combien ça vaut. Par contre, un pass sur tout l'ensemble. Les jours du coup, ah, ça doit être fou. 300 euros. Aucune idée des tarifs, mais plus que ça, non. J'avoue que la journée Guns, les 2 jours la Guns Metallica, ça fait mal. Hein. Ça tape très très fort, les amis. Mais tout ça pour vous dire, voilà, la culture a besoin de vous, les copains. On retente des choses malgré le Covid, malgré les 5000 personnes, malgré le fait que ce soit peut-être potentiellement assis. On retente des choses, alors soutenez si vous pouvez ces événements, parce que voilà, on en a besoin, la culture. Ne nous laissez pas tomber. Parce que de ce que tu dis, les derniers que j'avais fait, c'était il y a 2 ans, Francopholis à La Rochelle. Oh, c'était magnifique. Ah, c'est incroyable. On était partis avec Bruce Granek, Braque, tu sais, Pierre Zucolin et tout, magnifique. Franchement, coucher de soleil, concert et tout, magnifique endroit, les gens hyper sympas, franchement. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller à Francopholis à La Rochelle, c'est. En plus, il y avait Ayam, les mecs, pareil, 50 balais, les mecs, c'est toujours des boss et tout. Ah, ils sont. C'est des bêtes de scène, effectivement. Ouais. On a un autre ou pas? Bien sûr, j'ai le fameux grand oral du bac. C'était aujourd'hui. Oh là. La grande épreuve, ça commence aujourd'hui. Les étudiants du bac ont décidé de s'auto-douiller eux-mêmes parce que, clairement, la nouvelle grande épreuve de ce baccalauréat, sa première année qu'ils la mettent en place, elle est très critiquée, très controversée. En gros, c'est très simple, ça se passe en 3 étapes. On dit au mec ou à la nana, tu as fait des spécialités dans ton année? Ok. Bon, déjà, c'est à moitié, puisque finalement, avec le coco, voyez-vous. Mais en gros, tu dois prendre une question que tu dois traiter via la spécialité. Et après, tu dois me faire un petit raccro
avec le fait que c'est un rapport avec le boulot que tu veux faire plus tard. Autant te dire que tu t'auto-défonces tout seul avec des questions, mais... Ah bah oui, tu commences, tu dis... je sais pas, moi, il y avait des phrases toutes faites sur TikTok, des questions toutes données, mais enfin, je ne comprends pas cette épreuve. Et il y a eu énormément de couacs aujourd'hui, c'est-à-dire des jurys qui ne sont pas venus, des incompréhensions au niveau de... Ah, Micheline, elle vient. Ben non, mais quand Micheline, elle arrive, elle a compris que Julien était déjà là, donc Micheline peut rentrer chez elle. Là, je parle de prof. Enfin, tu vois, il y a eu un bordel sans nom. Il y a eu des gens qui ont vraiment... Ça a été très mal organisé. C'est, mais voilà. Et de toute façon, on est encore une fois face à un système où, bah, oui, il y a eu le Covid quand même cette année. Je ne dis pas qu'il faut offrir le bac à tout le monde. Je ne dis pas que c'est la fête. Mais en philo, par exemple, on a quand même la possibilité de... OK, tu as une note pas terrible au bac, tu peux prendre celle du contrôle continu. Bon, il y en a certains qui abusent. Il y en a, ils ont mis Happy Holiday sur la copie, ils se sont tirés au bout d'une heure. Mais il y a quand même ce petit côté-là où... voilà. Et bah, alors ça, c'est mon extrait. Je me dis, voilà, moi, chaque question qu'on va me poser pour le grand oral. On rappelle lui. En vrai, c'est chaud de mettre le grand oral l'année où t'as eu le moins d'exposés en classe qui t'ont permis de tryhard le grand oral, enfin sur le papier, tu vois. Genre, c'est l'année test, c'est l'année où il y a eu le moins de cours en physique pour les étudiants, même s'il y en a eu quand même beaucoup, et où il y a eu aussi le moins de possibilités de faire des travaux de groupe qui ont dû être limités, des exposés avec plusieurs personnes, et les gens qui sont pas à l'aise à l'oral, avec des profs qui sont un peu blasés, des élèves qui sont blasés, des notes, enfin des règles qui tombent à la dernière minute, et on te dit en terminale, prends une spécialité, trouve une question, il faut que ça ait un rapport avec ton putain de métier que tu vas faire l'année prochaine. Ah bah oui. Nouvelle règle. En plus, il faudra trouver une question. En plus, il y a tellement peu de gens qui suivent le cursus lycée pour faire un métier et qui ne changent pas en cours de route parce qu'ils se réorientent ou parce que finalement ils se sont rendus compte que le métier auquel ils aspiraient, c'était pas du tout ça. Que franchement, ça a vraiment aucun rapport. Quoi. C'est un petit peu abusé, mais moi je pensais que le bac cette année c'était en rapport avec la moyenne générale. Par exemple, jury n'est pas venu à mon oral de bac. Il y a énormément de témoignages en ce moment. Ça, c'est la fameuse prof qui est venue pour rien. Vous regarderez, c'est en top tweet de toute façon. comment se faire 120 s'évanouir en 14 étapes. Enfin bref, tu m'étonnes, il y a des tentatives par des coquins. Mais en plus, les épreuves orales comme ça, déjà l'oral de français, en vrai, ça dépend tellement de ta gueule et de la gueule de l'examinateur. Enfin, les épreuves à l'oral, je trouve, sont très dépendantes du feeling que tu as avec la personne, contrairement à une épreuve écrite où ils peuvent être un peu... Voilà, tu as quand même un feeling à l'écrit, mais c'est différent. Et du coup, faire ça sur un truc qui n'est pas du tout préparé ou c'est pas du tout cadré, c'est un petit peu au plus audacieux, j'ai envie de dire, tu vois. C'est con de pas avoir passé le bac, parce que juste pour ça... Je serais régalé. Mais je pense que ici... Si je peux. Non, j'ai pas le brevet. T'as pas le brevet? J'ai rien. Qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai fait une école de musique. J'ai fait pour aller. J'ai le BAFA. Deux fois. Non, mais du coup, juste pour l'oral en face du mec, j'aurais voulu le régaler. Non. Et j'aurais voulu. Quoi, ça va? Tu me juges? Mais je sais faire plein de choses. Non, j'aurais voulu tester l'oral, tu vois. Voir si j'aurais pu un peu. Bah, l'oral, tu peux toujours faire. Tu peux filouter. Tu peux filouter. J'ai eu en anglais, j'ai eu un 17 en anglais. Crois-moi que j'ai filouté. Et j'ai filouté très, très fort. J'ai eu 20 sur 20 l'oral de français. C'est vrai, en anglais? J'ai eu un en anglais. Toi, ça m'étonne. La vache. Oui, l'oral, moi, pareil. C'est pas grave. Quand j'ai eu mon bac et qu'on m'a dit t'étais à deux doigts de l'oral, j'étais en mode tranquille, l'oral, j'y serais allé les doigts dans le nez, quoi. Mais ça dépend des gens, après, je pense. Oui. Faut filouter. Deux derniers sujets, vas-y, Ken. Pardon, Ken Ted. Pff, oh là là. Oui, rapidement. Il s'est dit, mais comment il sait ce que je vais faire ce soir? Mais vous êtes malade. Dévoiler mes plans comme ça. Alors, rapidement, oui. Aujourd'hui, il y a eu Kaamelott, bien sûr, qui a sorti sa bande-annonce. Et il serait dommage que je ne parle pas de cinéma. Nous allons parler également de Titane, le nouveau Julia Ducournau, la maman du film de genre, du style de genre. Alors, si on devait rapidement expliquer qu'est-ce que... Les films de genre, vous prenez un triangle, d'accord? Vous mettez le mot genre au milieu et à côté, vous mettez là, science-fiction, là, un peu d'horreur et là, un peu de thriller. Et le film de genre se mélange très habilement là-dedans. C'est la maman qui a fait le film Grave. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à le voir. C'est un film de genre qui a cartonné au cinéma. C'est quelque chose de très, 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 très rare, des films de genre qui cartonnent au cinoche. C'était sur, entre autres, les fameux accueils qu'ont les élèves de médecine, les deuxième années sur les premières années, les bizutages, etc. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous invite à aller voir Grave. Et donc, elle sort son nouveau film, Titane, avec Vincent Ladon. Et j'ai pas mal de petites anecdotes parce que j'aurais dû faire partie du casting. Mais je me suis fait dégager comme un malpropre. Mais ça arrive, ça arrive. Mais non, mais t'avais dit que tu t'avais passé.
De quoi, dans Titan? Non, c'est pas celui-là. Ah c'est... ouais. Après, mais tu me veux, Tu me spoil son histoire. Excusez-moi. Depuis la frame 1 de l'émission. En gros, pour vous la faire courte, Titan, ça a utilisé 3 direcasts différents. Les 3 direcasts m'ont casté pour le même rôle ou presque. Et bon, bah finalement, j'étais en shortlist, c'est-à-dire on n'était plus que les deux derniers. Bah à un moment donné, Julia m'a vu 8 fois, n'en pouvait plus. Et donc malheureusement, ça n'a pas passé. Mais je vous invite néanmoins quand même à aller voir eh bien ce film. Qui sera présenté à Cannes. Ce sera la toute première diffusion de Titan à Cannes. Et on verra, bien sûr, elle est en compétition. Donc, ce sera intéressant. Alors, je sais qu'il y a un boobies qui pop, je l'ai prévenu. Allez, voilà, ah, donc. Trop de nichons. Non, mais trop de boobies. Voilà, il y a trop de nudité. Trop de nichons. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et le big up que je m'auto-fais, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai passé pour la première fois de ma vie un casting pour un premier rôle au cinéma. Donc j'étais stressé comme pas deux, je suis arrivé déjà, j'avais pas dormi de la nuit, je suis arrivé comme avec les yeux ouverts. Et c'est parce que c'est entre autres, si je suis en premier rôle au cinéma, ce serait avec Vincent Lindon. Donc ça me permettrait ce big up. Mais applaudis pas, j'ai pas pris. C'est le casting est pas... Non mais Genius, putain, je te kiffe, ma poule. Tu vas le jinxer, Genius. Mais... Toi, franchement, tu peux pas être mon agent. Non mais je vais appeler tout ce que tu sais, mec. Ouais. Mais donc voilà, mais c'est la première fois de ma vie que je passais un casting pour un premier rôle cinéma. Oh, c'est bon. Et on te souhaite. Et oui, ça marche, évidemment. Et là, on t'applaudit. Et là, on m'applaudira. Mais donc voilà, donc c'était le petit big up. Et puis aussi, bah, on ne se reverra pas forcément tout de suite, parce que bah, jusqu'au 6 juillet, je vais tourner dans Astérix, vous le savez, les copains. Donc je vous embrasse. On se retrouvera bien sûr dans 2 semaines. Voilà, mais vous inquiétez pas, on reviendra. Kiff, envoie des photos. Ouais, en loose day, hein, par contre, les photos. Ouais. Parce que si elles sont diffusées sur net, je vais baiser. Ça reste entre nous. Voilà, en deux, en deux. Ça peut jouer. Les amis, il nous reste 1 minute 50. Attends, j'ai vu que t'avais un truc à la con sur le. J'ai mes tweets pour demain, je crois. Ah oui, oh, incroyable. Je ne sais pas si vous regardez les matchs au bar, dans des bars, mais parce que des fois, il y a des bars qui ont les matchs un peu en avance par rapport aux autres. Ah, bien sûr. Et c'est ce qui est arrivé là. Néerlande contre ça. Ils font croire qu'il y a bu. Alors, pas du tout. Et les autres sont au barbecue et ils ont 30 secondes de retard. Donc là, ils se disent oh putain, on a marqué. Ils font un gros doigt. Ils font un doigt. Là, regardez, là, ils vont se mettre à danser parce qu'ils croient qu'ils ont mis un but à l'action qui va avoir lieu. Non, et en fait, ils vont se rendre compte que pas du tout. c'est la baisse. Ah, c'est très c'est très bon. Si long. Et là, l'action, elle est là, et l'action, elle dans le cul. Allez, salut, bonsoir. Voilà, mais ça nous arrive tellement au bar. C'est vraiment la hantise d'une vie. Hein. Ah, c'est Trunks, il faisait ça aussi lors du match, le premier match contre l'Allemagne. Il était trop chiant, il venait. Il disait, alors, dès qu'il y avait un but et qu'il y avait hors-jeu, il venait, il était trop content et ça nous baisait. Ça nous baisait le truc. Je suis toujours en colère. Ah là là, évidemment, aucune race, on sera évidemment présent hein, ce mercredi pour vivre le troisième match de l'équipe de France contre le Portugal. On vous en parlera évidemment un peu plus demain en détail. Pour le moment, il nous reste 30 secondes d'émission, juste le temps pour moi de vous dire à demain 18h30 pour un nouveau récap dans quelques instants. Eh ben, 301 vues évidemment, qui va être présent pour nous régaler. Non, il n'y a pas 301 vues. Non, je crois que c'est pas, il y a une rediff. Rediff, la cuisine. Oui, rediff de la cuisine. Mais c'est la cuisine, c'était une super émission. C'est pour ça, émission, c'est pour ça que j'anime, c'est pour ça. C'est excellent, Max. Je connais cette théorie. On va regarder le coup à la cuisine, la gastronomie. Avec qui comme invité, il y a qui Charlie Danger, super. Voilà. Elle était top, elle était super. Allez, bisous. Alors du coup, il n'y a pas...